Thank you.
Thank you.
Alors bonjour à toutes et à tous, c'est avec un grand plaisir que nous voici tous de nouveau réunis pour un autre cycle de vidéoconférences qui est organisé par l'Astro Club de France, l'Observatoire Charles Fehrenbach, le Club d'Astronomie de l'AMJC de Douai, le Club Uranie de l'AMJC de Saint-Saulve, ainsi que le Groupement d'Astronomes Amateurs de Courrières dans le Pas-de-Calais. Alors après avoir découvert Mars lors d'un précédent cycle, la principale étoile de notre système solaire, notre Soleil, n'aura donc plus de secret pour vous grâce à 5 exposés qui vous seront présentés courant mars, avril et mai 2021. Vous allez découvrir le Soleil dans tous ses états, cette principale source de lumière et de chaleur de notre système solaire, une énergie unique, transmise par rayonnement et qui permet certaines conditions de vie sur Terre, telles que la photosynthèse des végétaux. Le Soleil permet donc la vie sur Terre. Ça valait donc la peine de lui accorder ce cycle riche de connaissances. Alors ce soir, Philippe Morel, qui est président de l'Astro Club de France, aura le plaisir de vous présenter en direct de l'Observatoire Charles Fehrenbach le premier volet de cette saga, c'est-à-dire son historique à travers les âges, suivi d'un débat qui sera alimenté par des questions-réponses des auditeurs qui le souhaitent. Courant mars, le second volet proposera une étude qui sera axée sur notre astre en tant que naine jaune, de l'origine de son énergie produite, sa structure interne, sa structure externe, son spectre, son évolution, c'est-à-dire sa naissance, sa vie, sa mort. Et cette étude sera animée par M. Jean-Marie Marc, qui est astronome amateur au club d'astronomie de l'AMJC de Douai. Alors en avril, dans le troisième volet, nous visiterons la banlieue du Soleil, avec des comètes, des aurores boréales entre autres, et cela grâce à Mme Brigitte Schmider, qui est astrophysicienne à l'Observatoire de Paris-Meudon. Toujours sur le mois d'avril, M. Laurent Gislinck, qui est astronome amateur au Club Uranie de l'AMJC de Saint-Saulve, nous dévoilera les différentes techniques d'observation de notre Soleil au travers des différents instruments. En mai 2021, ce fabuleux cycle sur le Soleil s'achèvera par les explications de messieurs Simon Leric et Michel Pruvot, alors qu'ils sont tous deux membres du groupement des astronomes amateurs de Courrières, comme je l'ai dit précédemment, dans le Pas-de-Calais. Ils parleront essentiellement des techniques d'astrodessin sur le thème du Soleil. Merci à tous pour votre attention et très bonne conférence à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, nous voici réunis pour le coup d'envoi d'un cycle de conférences dédié au Soleil. Le premier conférencier, c'est Philippe Morel, que j'ai le plaisir de vous présenter, bien que les fidèles de la chaîne le connaissent très bien. Et pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Philippe est un astronome amateur, féru d'astronomie depuis son plus jeune âge, grâce à la Lune pour faire court et à la comète Ikeia-Seki. Il a fait des études scientifiques dans un autre domaine que l'astronomie, mais sa passion ne l'a jamais quitté et s'est même amplifiée au point de devenir président de la Société astronomique de France pendant 10 ans. C'est grâce à ce poste qu'il a côtoyé de très grands noms de l'astronomie qu'il sollicite de temps à autre pour des conférences. Philippe est depuis quelques années président de l'Astro Club de France, dont le siège est l'Observatoire Charles Fehrenbach, qu'il a imaginé et construit à Priche. Comme il se plaît à le dire, c'est l'aboutissement d'un rêve devenu réalité. Pour vous dire à quel point il entretient des relations avec des sommités de l'astronomie, Michel Mayor, prix Nobel de physique 2019, Catherine Césarski, Agnès Acker, astrophysicienne, Roger Ferlet, directeur de recherche, Michel Fehrenbach, ingénieur géophysicien, sont parrains et marraines de l'Observatoire et c'est vraiment un privilège inouï pour un observatoire d'amateurs. Alors Philippe maîtrise beaucoup de domaines de l'astronomie, l'optique, l'astrodessin, l'astrophotographie, le traitement de photos, l'observation visuelle, l'histoire des sciences, de la poésie, la musique. Il a écrit et coécrit de nombreux ouvrages que je vous recommande. Philippe pourra vous donner peut-être quelques titres tout à l'heure si vous le souhaitez. Il a fait aussi de nombreuses publications dans différents magazines spécialisés. On peut ajouter qu'il voue une passion dévorante aux éclipses de lune, aux éclipses de soleil et aux aurores boréales. Et que fait-il pour assouvir cette passion? Eh bien, il bourlingue dans le monde entier.
Ben, il revient justement d'un voyage au pays des aurores boréales. Philippe nous pourra peut-être nous en dire un mot tout à l'heure. Il nous fait profiter de toutes ses connaissances via la chaîne de l'Astroclub de France et via France Bleu Nord. Et tous les enregistrements sont disponibles sur le site de l'Observatoire. Je vous encourage vraiment à y jeter un coup d'œil. Impossible de terminer le portrait de Philippe sans mentionner deux personnages qui ont marqué son parcours. Il s'agit de Camille Flammarion et de Pierre Bourges. Pierre Bourges était un astronome amateur très connu de la communauté. Il a été son mentor et l'a marqué à vie. Bonne soirée à tous.
différence. Alors, difficile de faire sur le Soleil une vue exhaustive de l'histoire des observations et des connaissances qui ont amené à ce qu'on connaît actuellement du Soleil en pas longtemps. Donc, il a fallu faire quelques choix. Alors, soit on pouvait faire le traditionnel déroulé thématique, c'est-à-dire chronologique, des temps les plus anciens vers les temps les plus récents. On a plutôt pris le parti de faire ça plutôt par sujet, par thème, de façon à ce qu'on puisse introduire plus facilement. Marie-Françoise, c'est à toi. Alors, bonsoir à tous. Bien avant que la Terre fût même une nébuleuse, des astres brillaient depuis une sorte d'éternité. Auguste de Villiers de l'Isle-Adam. La naissance d'un astre, une histoire terriblement ordinaire à l'échelle de l'univers, mais véritablement extraordinaire à la nôtre. Ordinaire, puisque notre astre est un grain de sable parmi des milliards d'autres. Extraordinaire, puisque d'un cataclysme incommensurable est né notre Soleil, puis son cortège de planètes, puis la vie. Et nous voici réunis à disséquer cet astre tout-puissant qui enchante, effraie, parfois inspire. À l'aube de l'humanité, la Lune et le Soleil fascinaient-ils ? En l'absence de preuves écrites, nous ne le saurons jamais. Mais des faisceaux d'indices tendent vers l'affirmatif. Imaginez-vous à cette époque, vous n'avez aucun moyen de vous repérer dans le temps, juste le ciel, avec le mouvement immuable des astres. Le jour décline et vous voyez le soleil disparaître. La nuit est envahie de bruits d'animaux, le vent souffle dans les arbres et fait chanter les feuilles. La lune brille, elle est ronde, puis grignotée par on ne sait quel enchantement, jusqu'à disparaître, puis réapparaître. Vous passez la nuit dehors et tout votre être est envahi par la beauté céleste. Des milliers d'étoiles scintillent. Au petit matin, le soleil renaît. Il monte dans le ciel et vous réchauffe, brille. Au fil des mois, il est de moins en moins haut dans le ciel. Il fait plus froid, les feuilles tombent, le gibier se déplace. Qui orchestre cette chorégraphie? Et si le soleil ne revenait pas? Ces premiers hommes étaient dotés de conscience et d'imagination. C'étaient des êtres sensibles qui vivaient en osmose avec la nature. Il n'est donc pas ubuesque de croire qu'ils dansaient, peignaient, sacrifiaient pour implorer et apprivoiser l'astre d'entre les astres. 36 000 ans avant notre ère, soit un battement d'aile à l'échelle cosmique, l'homme chez les Amérindiens n'était qu'un fragment des animaux, des pierres, des rivières, des étoiles, du soleil et de la lune. À cette époque, la grotte Chauvet était-elle le théâtre de rituels ? Des crânes douces ont été découverts, posés en demi-cercle par des humains. L'imagination s'enflamme. Ces hommes, ces femmes, ces enfants assistaient-ils à la danse du soleil ? La beauté du ciel a galvanisé. Exaltés les esprits enfiévrés, des chimères sont nées, les mythes de cosmogonie et théogonie ont fleuri et régi le monde durant des milliers d'années. Des mortels se sont emparés du soleil comme d'un être vivant, en l'honorant de mille façons pour asseoir leur toute-puissance. 2000 ans avant notre ère, voici un hymne dédié à Shamash, dieu soleil mésopotamien. Ton lever glorieux illumine l'existence des hommes. Tout se retourne vers ton éclat merveilleux. Tel un immense flamboyant, tu illumines le monde. Lorsque tu apparais, Shamash, les peuples se prosternent. Tous les gens, de partout, s'inclinent devant toi. Tu resplendis dans les ténèbres et tu tiens les rênes du ciel. Ta gloire a recouvert les monts les plus lointains. Ton éclat en remplit la face de la terre. Juché sur les montagnes, tu inspectes le monde. Du ciel, tu tiens à bout de bras tous les pays. Tu as en main tout ce qu'a produit le roi sage. Tu prends soin de tous les habitants de la terre. Tu fais paître tous les êtres vivants sans exception. Ici-haut et là-dessous, leur berger unique, c'est toi.
Tu ne cesses de traverser ponctuellement les cieux. Chaque jour, tu parcours la terre interminable. Tu passes sans arrêt la mer large et immense, dont les dieux célestes eux-mêmes ignorent le tréfonds. Mais tes rayons, Shamash, descendent dans l'abîme, et les monstres marins contemplent ta lumière. Voilà donc une introduction historico-poétique qui, je pense, vous a plu. En tout cas, moi, elle m'a bien plu. Pour revenir un petit peu en arrière, puisque là, on va quand même revenir sur les débuts des observations, parce que c'est quand même par là que ça commence. Donc, 2000 ans à peine. Donc, l'observation d'un parélie permettait de consulter des livres sibyllins pour déterminer des rites expiatoires. Et donc, Marie-Françoise, je crois que tu peux continuer. Oui. Alors, les livres sibyllins sont des recueils d'oracles grecs hein, conservés à Rome, dans l'Antiquité. Voilà, on peut poursuivre. Et en 1225, Saint François d'Assise composait un merveilleux poème intitulé « Cantique de Frère Soleil », mis en musique par Franz Liszt. Et il disait « Le soleil est la plus belle créature et celle que l'on peut comparer à Dieu ». Il y a une compositrice russe, Sofia Gubaidulina, qui en a fait une sublime adaptation et je vous enjoins vraiment à l'écouter, c'est sublime. Et puis, insidieusement, le doute s'installe. Les divinités régissent-elles vraiment le monde et le cosmos ? De grands esprits bravent des milliers d'années d'imaginaire et proposent une explication rationnelle aux phénomènes cosmiques. Grâce au soleil, ils mesurent le temps, puis observent qu'il n'est pas immuable et statique grâce à l'observation de taches à sa surface. Et enfin, l'hypothèse subversive qui suggère que la Terre n'est pas le centre du monde mais bien le soleil est émise et infuse. Nous débuterons notre balade poétique avec les mythes liés au soleil et nous emprunterons les chemins de la rêverie jusqu'à la pensée scientifique balbutiante incarnée par Galilée. Donc les mythes et le soleil, je ne vais pas m'étendre beaucoup sur le sujet parce qu'on pourrait faire une conférence et même plusieurs sur ce sujet et la littérature aussi bien sur Internet que la littérature papier regorge de documents et d'informations sur le sujet. Eh bien, pour débuter le chapitre sur les mythes, voici l'hymne homérique à Hélios. Terrible, il regarde de ses yeux, sous un casque d'or et de clairs rayons jaillissent de lui-même, et sur ses tempes, les joues brillantes du casque enferment sa belle face éclatante. Autour de son beau corps, des vêtements légers resplendissent au souffle des vents. Et des étalons sont soumis au joug. Et là où il arrête, le soir, son char au joug d'or et ses chevaux, il les envoie de l'Ouranos dans l'Okéanos. Donc, si on reprend les principales mythologies, vous savez tous qu'à l'époque de l'Égypte antique, le dieu du soleil s'appelait Ra ou Ré. Et sa représentation était quand même assez curieuse, puisque c'était un disque, ça, bon, jusque-là tout va bien, mais avec une aile de part et d'autre, un disque ailé. Alors certains ont cru que, éventuellement, ce disque ailé était la représentation allégorique d'une couronne solaire de minimum d'activité. Ça, c'est une interprétation qu'a donnée, entre autres, Eugène Antoniadi dans son ouvrage qui est l'histoire de l'astronomie égyptienne, qui est très difficile à trouver, mais dont existe une réédition qui était publiée par la librairie Buridier dans les années 1990, et on trouve cette référence. Bon, alors à la limite, pourquoi pas hein. Bon, bien naturellement, il faut savoir qu'à l'époque, les éclipses ont commencé à peine à savoir un peu de quoi il en retournait, mais pour les populations essentiellement rurales, c'était encore un phénomène effrayant, et qui a été déifié, ce ne serait pas étonnant que l'hypothèse soit la bonne. Ensuite, à l'époque grecque, donc Apollon est le fils de Zeus et de la titane Néto, donc il incarne le soleil chez les Grecs, et il porte aussi le nom d'Hélios,
donc qui est le symbole du soleil lui-même. D'ailleurs, dans Hélios, il y a des quantités de mots touchant au soleil qui ont repris la racine grecque Hélios. Hein. Ne serait-ce que l'hélioscope d'Herschel, pour observer le soleil, c'en est l'une des illustrations. Chez les Romains, donc, Sol, c'est le frère de Luna. Luna, c'est la lune, évidemment. Et Sol est le dieu du soleil et de la lumière, de la chaleur. Dans la mythologie nordique, on retrouve le même nom de Sol. Ça se dit Sol, avec l'accent. Donc, et là, le soleil est une divinité féminine. Donc, c'est la fille donc, de Mundilfari, qui est le nom donné donc, en 2000 à l'un des satellites de Saturne, d'ailleurs. Et c'est la sœur du dieu de la Lune, Mani. Alors, il existe des sagas, en particulier des sagas islandaises, en particulier la mystification de Gylfi, qui date de la fin du XIe siècle, début du XIIe siècle. Elle fait mention dans le ciel d'un chariot du soleil conduit par Sol et tiré par des chevaux, les chevaux qui avaient les noms de Arvak et de Alcide, et qui est poursuivi par le loup Skull qui finira par l'attraper. Alors ça, c'est une représentation du chariot du soleil qu'on trouve non seulement dans les sagas islandaises, mais aussi dans les sagas des pays nordiques correspondant donc à la Scandinavie actuelle. On traverse l'Atlantique et on se retrouve du côté des Aztèques. Et là, le dieu du soleil est représenté avec beaucoup de plumes. Bon, est-ce que c'est pour la même raison que pour les Égyptiens? Ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Donc, le dieu du soleil chez les Aztèques, qui portait un nom un peu à rallonge que vous pouvez lire, donc il était le maître du monde chez les Aztèques. Alors maintenant, on va peut-être passer du soleil antique à la mesure du temps, puisque le soleil a quand même servi depuis fort longtemps à, on va dire, séparer le temps dans la journée. Le soleil, écrivait Dante dans la Divine Comédie, le soleil est le plus haut officier de la nature qui, par sa vertu céleste, au monde emprunt et de ses feux mesure le temps. Les connaissances du soleil à l'époque antique reposent sur les hypothèses posées par plusieurs philosophes. Il faut savoir que ce qu'on appelait les philosophes à l'époque étaient non seulement les philosophes tels qu'on l'entend actuellement, mais les philosophes étaient surtout des savants scientifiques. Et ça, le terme de philosophie pour déterminer donc la pensée scientifique, ça a perduré jusqu'au XVIIIe siècle, puisque la philosophie de Newton, c'était en fait les traités de physique de Newton qui ont été traduits, entre autres, par Voltaire. Donc déjà à l'époque d'Anaxagore, donc à environ 500 avant Jésus-Christ, Anaxagore avait déjà émis l'hypothèse que le Soleil était une masse incandescente, et une masse incandescente gigantesque pour l'époque, puisque plus grande que le Péloponnèse. Le Péloponnèse étant la péninsule qui est située donc au sud de la Grèce. On remonte un petit peu dans le temps, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et Théophraste en fait un ensemble de petites particules de feu. On a déjà la notion d'incandescence. On arrive en 1223 avant Jésus-Christ avec la plus ancienne description avérée d'une éclipse. Ce n'est pas la plus ancienne éclipse repérée, hein, puisque les plus anciennes éclipses repérées datent d'environ 2700-2800 ans avant Jésus-Christ dans les tables, les registres chinois, mais on mentionne, on va dire, plus ou moins les dates, mais sans description vraiment précise. Et là, en 1223, on en trouve une. Donc, et on la trouve dans une tablette d'argile qui était découverte dans la cité du Garit, qui est située dans l'actuelle Syrie. Et donc, elle en mentionne deux, donc soit celle du 3 mai 1375, dont la description n'est pas forcément très formelle, et plus probablement celle du 5 mars 2023 avant Jésus-Christ. On arrive à la mesure du temps par le soleil, vers 560 avant Jésus-Christ, et on retrouve la trace des premiers cadrans solaires, donc qui auraient été introduits en Grèce par Anaximandre, donc à peu près cette époque-là.
à partir d'équivalents qui avaient été développés à Babylone. L'ancêtre qu'on appelle le polos, c'est l'ancêtre rudimentaire du scaphé qui daterait du 4e siècle avant Jésus-Christ. Le scaphé, c'est en fait les cadrans solaires hémisphériques ou quarts de sphère, qui étaient en fait des cadrans excavés dans des pierres dans lesquels on traçait les lignes et on pouvait donc lire l'heure de cette façon. C'était le modèle le plus courant donc à l'époque antique. Alors, on attribue l'invention du scaphé à Aristarque de Samos, à peu près au 3e siècle avant Jésus-Christ, et il a été ensuite très très largement diffusé dans les cités grecques puis romaines. Si vous allez sur les sites antiques en Algérie, donc à Timgad en particulier, il y en a plusieurs, et là, la photographie qui est représentée, c'est le cadran solaire qui se trouve, le scaphé qui se trouve au musée de Constantine. Donc en Algérie, j'ai eu le bonheur de photographier moi-même, puisque j'ai été reçu plusieurs fois par la directrice du musée pour ausculter et le scaphé et l'astrolabe de ce musée, qui est absolument magnifique et très porteur d'enseignement. Alors, un traité a été écrit sur la réalisation et sur le principe du scaphé. C'est Démocrite qui l'a rédigé vers l'an 410 avant Jésus-Christ, mais il a été perdu. Donc, et il n'y a pas eu de copie. Et le scaphé, Ératosthène s'en est servi vers l'an 220 avant Jésus-Christ pour mesurer la longueur de l'arc méridien terrestre. Donc, c'était devenu en plus d'un outil pour mesurer l'heure, un outil qui permettait de faire des mesures scientifiques. Vers 350 avant Jésus-Christ, on commence à se demander si le Soleil n'est pas distinct de la voûte céleste. Et c'est Aristote qui place la Terre au centre de l'univers, donc, puisque vous savez qu'il y a eu à l'époque la Grande Guerre, à savoir si c'était le Soleil qui était au centre ou la Terre qui était au centre. Il y avait des défenseurs de la première hypothèse et des défenseurs de la seconde, sauf que les défenseurs de l'hypothèse donc plaçant la Terre au centre de l'univers étant les plus nombreux, c'est en gros la pensée commune qui l'a emporté vers cette hypothèse-là, qui a quand même été au devant de la scène pendant à peu près un millénaire. Et en l'occurrence, pour Aristote, les planètes donc sont fixées sur des sphères de verre, on va dire, enfin de milieu transparent. Elles flottent pas, elles sont portées par un milieu. Et le Soleil, comme les autres, est porté aussi sur la quatrième sphère céleste. Ces sphères qui sont emboîtées les unes dans les autres, et la dernière, donc à l'extérieur, étant la sphère des fixes, d'où l'expression sphère des fixes d'ailleurs. Et le mouvement donc de rotation journalière de précession donc était assigné évidemment aux sphères extérieures du système. Donc à l'époque, on pensait le système, l'univers, fermé et clos et terminé, par une limite. Vers 250 avant Jésus-Christ, on commence à s'intéresser à la distance Terre-Soleil, et c'est Aristarque de Samos qui l'avance à partir des méthodes de parallaxe. On avance dans le temps, on arrive en l'an 968 avec la première mention de l'existence de la couronne solaire. La première mention explicite. Puisque d'autres mentions moins explicites existent, ce qui a porté justement l'interprétation de la représentation du dieu Ra qu'on a vu tout à l'heure. Et elle existe, cette première description précise. Elle était donc rédigée suite à l'observation de l'éclipse du 22 décembre 968 qui était observée à Constantinople. Et donc elle est l'œuvre d'un historien byzantin qui est Léo Diaconus et qui a été mentionné dans les annales Sangalens. Et donc il cite dans ses annales: « À la quatrième heure du jour, la nuit est tombée sur terre et toutes les étoiles brillantes sont apparues. Et on a pu voir le disque du soleil sombre et sans lumière, ainsi qu'une faible brillance ayant la forme d'un mince anneau encerclant le bord du disque. » Donc c'était quand même quelque chose d'assez explicite. En 1185, on a la première description d'une protubérance, toujours pendant une éclipse de soleil. Donc c'était le 1er mai 1185 et elle est mentionnée dans les chroniques de Novgorod. Donc là, on va un peu plus à l'est et un peu plus haut en latitude.
Le soir s'est produit une éclipse de soleil. Le temps s'est assombri et les étoiles sont apparues. Le soleil a pris l'apparence de la lune et ses cornes se sont ressorties, quelque chose ressemblant à des braises ardentes. Là aussi, c'est quand même peu équivoque. Au passage, vous avez en illustration un souvenir de la plus courte éclipse totale de soleil que j'ai pu observer, puisque c'était celle du 24 octobre 1995. Et cette éclipse durait 47 secondes. Donc, vous voyez quasiment un demi-arc de chromosphère. Et quelques secondes après, est apparu l'autre demi-arc de chromosphère. Et c'était depuis Fatehpur Sikri, en Inde du Nord, au Rajasthan. Une journée mémorable, puisque le matin, nous avons eu droit à l'éclipse totale de soleil sous un ciel magnifique. Et l'après-midi, la visite du Taj Mahal. Le Soleil s'impose au centre du système en 1543 avec les travaux de Copernic. Je ne vais pas revenir sur les travaux de Copernic. Nous avons eu il y a peu une magnifique conférence sur Copernic que nous a donné Valérie. Donc celle-ci est toujours en ligne sur la chaîne de l'Observatoire. Je vous invite, si vous n'avez pas visionné, à la visionner. Et vous connaîtrez tout de ce qui a amené Copernic à conclure que le Soleil ne pouvait être qu'au centre. Et en 1609, le soleil est au foyer. C'est pas comme la femme pour un certain Landru, évidemment. On place le soleil au foyer de l'ellipse. Et c'est Johannes Kepler qui, donc, suite à de très très longues séquences d'observations et de positions planétaires précises accumulées par Tycho Brahe, donc un petit peu avant, et au terme de 10 années de labeur calculatoire, donc il conclut que les orbites planétaires sont de forme elliptique et que l'astre, centrale, en l'occurrence le Soleil, occupe l'un des deux foyers d'ellipse. Et là maintenant, nous allons aborder une très longue histoire, puisque les taches solaires, c'est ce qui a hanté donc la pensée des scientifiques pendant de nombreux siècles, et c'est à partir de l'observation des taches solaires qu'on a pu déduire énormément de choses sur le fonctionnement du Soleil. Presque toujours, observait Pierre-Simon de Laplace, presque toujours les taches solaires sont environnées de pénombre, renfermées elles-mêmes dans des nuages de lumière plus clairs que le reste du Soleil. Alors on croit communément que les taches solaires ont été découvertes avec les premières observations télescopiques, en l'occurrence 1609-1610, et bien en fait il n'en est rien, parce que vous savez qu'on peut voir des taches solaires à l'œil nu, et forcément il y a eu des circonstances où le ciel a été brumeux, où le ciel a été suffisamment absorbant, ou près au voisinage du lever ou du coucher du soleil, sur un soleil donc absorbé par l'atmosphère, et bien les anciens ont vu des taches à la surface du soleil. Alors ces taches, c'est difficile de faire un peu le ménage, parce que de temps à autre il y a des passages de Vénus devant le Soleil. Ceux-là, ils sont très rares. On a eu la chance, nous, d'assister aux deux derniers passages de Vénus en 2004 et 2012. Et évidemment, quand le Soleil est absorbé par les nuages ou près de l'horizon, voir Vénus devant le Soleil, ça ne présente aucune difficulté. Alors pour Mercure, c'est plus compliqué. Il y a des gens qui arrivent à le voir. Il y a des gens qui n'arrivent pas à le voir. Mercure devant le Soleil, tout près de l'horizon, sur un Soleil absorbé, quand on observe sans plier la tête, ça peut être observable. On en a fait l'expérience donc en 2016 donc au Danemark, où là on a pu l'observer jusqu'à 3 degrés au-dessus de l'horizon. Mais par contre, quand on observe à la verticale, même à travers une absorption, quand on lève la tête vers le haut, c'est plus visible à œil nu. Ce qui veut dire que si vous mettez les exceptionnels passages de Vénus, il y en a deux tous les 120 ans à peu près, tout ce qu'on peut voir comme tache sur le Soleil, maintenant qu'on sait qu'il n'y a pas de planète transmercurienne suffisamment importante, et même pas de planète transmercurienne du tout, ça ne peut être que des taches solaires. Et en fait, vers l'an 800 avant Jésus-Christ, on a donc le témoignage d'une observation plausible d'une tache solaire. Et donc ça, vous voyez, c'est quand même très 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 ancien. Alors ça, c'était la première supposée en 800 avant Jésus-Christ, la première avérée, elle date de 28 avant Jésus-Christ, et elle vient de Chine.
de Chine, d'Asie du Sud-Est, on a des quantités d'observations de phénomènes astronomiques qu'on n'a pas relatés chez nous. Le plus célèbre d'entre eux, c'est l'apparition de la nova, de la supernova 2054, qui a donné naissance à la nébuleuse du crabe. Cette supernova qui a été visible pendant environ 3 semaines en plein jour. Et bien curieusement, on en trouve des traces partout dans les annales chinoises, et on n'en trouve aucune trace dans les annales arabes et européennes. Donc on peut se demander si l'islam et la religion catholique n'ont pas mis un peu le holà pour faire disparaître les observations, parce que c'est impossible que dans le monde arabe et en Europe en même temps, le ciel ait été couvert tous les jours pendant 3 semaines de façon à ce que le phénomène ne soit pas observable. Donc on en trouve quelques-unes. Alors une qui date du haut Moyen-Âge, donc vers 1760, donc décrite par Eigner, donc vers l'an 800. Eigner qui était le biographe de Charlemagne, et il relate une observation d'une tache qui était visible durant 8 jours en l'an 807. Ensuite, pour faire local, on en trouve aussi une description dans les annales de Saint-Bertin, qui date d'avril 860. Pourquoi je dis que c'est un témoignage local? Parce que l'abbaye de Saint-Bertin, donc il reste encore quelques vestiges, elle se trouve à côté de Saint-Omer, donc c'est quand même quelque chose de très local. C'est à l'abbaye de Saint-Bertin qu'ont été déposées pendant de nombreux siècles les 2 copies de l'Aratea de Leyde, qui est la copie du manuscrit d'Aratos de Sol, qui donne la description des 48 constellations initiales et de leur légende. Et un de ces 2 exemplaires existe toujours, il est maintenant donc à la bibliothèque de l'Université de Leyde, d'où son nom, l'Aratea de Leyde, simplement parce qu'il est passé de main en main, et la reine Christine de Suède en a fait don donc à sa disparition à l'Université de Leyde. Alors si on reprend le témoignage de 860, là on dit de même que le 6 avril 860, le soleil levé, on vit au milieu de son disque une tache noire, et celle-là est descendue vers les parties inférieures. Une autre aussitôt se jeta sur les parties supérieures et parcourut tout le disque jusqu'en bas. Cela arriva le 10e jour de la lune. Alors bon, on sait qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu de passage de Vénus devant le soleil à cette date-là. Il n'y a pas eu de passage de Mercure devant le soleil à cette date-là. Il est fort possible que l'observation se soit faite durant toute une journée et que donc forcément avec la rotation de la Terre, l'orientation de la tâche sur le disque du Soleil par rapport au zénith est évidemment tournée comme le font tous les astres. Ceci dit, il faut reconnaître que la description est quand même un peu légèrement fantaisiste. En 128, on trouve le premier dessin d'une tâche solaire. Ça va faire plaisir à notre ami Simon. Un grand féru de dessin du soleil, comme d'autres d'ailleurs dans l'assistance. Et c'est extrait des chroniques de Jean de Worcester, et c'était un moine anglais, et elle remonte au 8 décembre 1128. Alors bon, visiblement, il y avait même 2 taches sur le soleil. Alors ce qui est très comique, c'est un peu comment il arrange les choses, et ça, c'est commun à l'art de l'enluminure, qui était déjà répandu à l'époque et qui commençait à se diffuser. Et on avait quand même tendance à enjoliver les phénomènes observés. Il suffit, pour vous en convaincre, de voir l'illustration hyper célèbre qui représente la comète de Halley, décrite dans les œuvres d'Ambroise Paré. Elle est représentée sous la forme d'un glaive ensanglanté, qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'ils ont vu, mais c'était plus de la symbolique. Et là, on est aussi un peu dans le domaine de la symbolique. Ceci dit, on voit quand même qu'il y a des taches noires et quelque chose autour qui peut correspondre à la pénombre. Donc ce n'est pas complètement irréaliste. On arrive aux premières observations télescopiques de taches solaires. Alors on dit toujours que c'est Galilée qui a observé les premières. Ben, pas du tout, parce que comme pour les cratères de la Lune, il était devancé de quelques semaines par Thomas Harriot. Et Thomas Harriot donc, dessine pour la première fois le Soleil, le 8 décembre 1610. Alors, le mouvement des taches solaires, c'est ben, pareil, c'est pas Galilée qui l'a signalé en premier, c'est Fabricius, qui était le nom de scène, on va dire, de Johann Goldschmidt, et il l'interprète correctement et systématiquement le mouvement des taches solaires.
et il avance que le Soleil tourne autour d'un axe, comme la Terre, un axe de rotation. Alors Galilée, puisqu'à l'époque on ne savait pas trop si les taches solaires étaient vraiment à la surface du Soleil, ou si c'était au-dessus, ou si c'était des illusions, donc il affirme donc que ces taches sont bien associées à des phénomènes de la surface du Soleil plutôt qu'à des choses qui passent devant ou au-dessus. Alors ceci dit, Galilée, il ne s'est quand même pas fait que des amis au niveau de l'Inquisition en affirmant tout ça, et c'est quand même aussi ses travaux sur les taches solaires qui ont quand même aggravé son cas lors de son procès à l'Inquisition. Même si le grand astronome en chef des inquisiteurs, c'était donc Clavius, et Clavius était acquis au départ à la cause de Galilée, mais on lui a demandé de retourner sa veste. Alors, l'axe de rotation du Soleil, Galilée a accumulé des quantités d'observations factuelles. Par contre, il y a un autre astronome qui est Scheiner, qui est l'inventeur du pantographe, entre autres, qui lui a passé toute sa carrière à observer le Soleil. Et il a été très méthodique. Et non seulement il a confirmé la rotation du Soleil que d'autres avaient déjà remarqué avec lui, mais il a même précisé que l'inclinaison de l'axe de rotation du Soleil par rapport à la perpendiculaire au plan d'écliptique, elle était de 7 degrés. Ce qui est une valeur qui est admise aussi, encore admise aujourd'hui. Alors évidemment, quand Galilée est tombé là-dessus, ben il a essayé de récupérer la chose. Vous verrez que dans l'observation, les études du Soleil, il a peut-être été le premier à récupérer le travail d'un autre, mais sûrement pas le dernier. Et alors, de 1645 à 1705, on a disparition des taches solaires. À tel point que l'apparition d'une tache solaire, c'était un peu comme ce qu'on a vécu les derniers mois, c'était un peu un événement, même si c'était une tache insignifiante. Et donc, à cette époque, l'Observatoire de Paris commençait à fonctionner, au moins à partir de 1666, et Jean-Dominique Cassini, qui était le premier directeur de l'Observatoire de Paris, a mis en place une surveillance systématique des taches solaires. Et si on fait des reconstitutions historiques de toutes les observations de l'époque, c'est pas du tout parce que les astronomes avaient autre chose à faire à ce moment-là, c'est parce qu'il y a eu effectivement une diminution non seulement du nombre de taches solaires, mais aussi pour les relevés qui ont été faits dans les zones où on observait les aurores boréales, une quasi-extinction ou une très très faible importance du phénomène aurore boréale. À l'époque, bien sûr, on ne faisait pas la relation entre aurore boréale et activité solaire, évidemment. Et puis, cette période a été donc ce travail de mise en relation des observations les unes avec les autres. Et bien, elle a été faite par Maunder, qui est un astronome qui est finalement relativement récent, fin 19e, début 20e. D'où le nom de cette période qu'on appelle maintenant le minimum de Maunder, qui a correspondu aussi à une période très très froide. Ce qui a quand même fait le bonheur des climatologues, des archéoclimatologues, qui ont dès lors relié, au moins dans les grandes lignes, le niveau de température de la Terre, du climat terrestre, à l'activité solaire. De 1774-1801, on s'intéresse à la nature physique des taches solaires. Et c'est William Herschel qui s'était intéressé à tous les aspects de l'observation, parce qu'il n'a pas fait que découvrir la planète Uranus et quelques-uns de ses satellites. Il récupère une hypothèse qui était posée en 1774 par Wilson, en suggérant que les taches étaient des ouvertures dans l'atmosphère lumineuse du Soleil permettant de voir la surface plus froide du Soleil. Donc déjà, la notion de c'est lumineux, c'est chaud, c'est moins lumineux, c'est pas parce que c'est froid, mais parce que c'est moins chaud. Donc déjà, vous voyez que ça date de cette époque-là. Et là, on va arriver quand même à une aventure dans la recherche scientifique qui est particulièrement intéressante, puisqu'elle est due à un astronome amateur qui s'appelait Samuel Heinrich Fable,
et qui était le premier à identifier la périodicité du cycle principal du Soleil. Alors, le voyage est loin d'être achevé. Nous vous emmenons maintenant sur les pas de brillants scientifiques qui ont marqué leur temps. Est-ce pour autant qu'il faille écarter les poètes ? Jean-Pierre Luminet, brillant astrophysicien et poète, confiait « Les savants ne s'inspirent jamais des poètes pour élaborer leurs théories, et ce n'est qu'à posteriori que l'on s'aperçoit que parfois le poète a précédé le savant. » Dans son ouvrage « Itinéraire céleste », il nous offre ces quelques vers. Les astres sont de grands animaux, les planètes naissent des soleils, écumes dégorgées. Ce sont les amours du fer et de l'aimant. Cette seconde partie sera ponctuée de sublimes poèmes et peintures qui illustrent à merveille le lien intime de l'imaginaire et de la science. Victor Hugo est l'un de ses poètes les plus prolifiques. Il nous a offert de splendides poèmes éclos de sa vision cosmologique et scientifique. Les contemplations, la légende des siècles nous font plonger dans les abîmes des cieux. Victor Hugo était un grand contemplateur du ciel et possédait les ouvrages de Camille Flammarion et de Herschel. Passionné de science, il en doutait parfois, je le cite. « La science prend l'exact pour le vrai, contrairement à la poésie qui a le pouvoir de saisir le monde dans sa totalité et sa vérité. Explorer les cieux à l'aune de l'art et de la science procure un ravissement auquel, nous n'en doutons pas, vous serez sensible. Et le moment est venu d'ouvrir le chapitre consacré à Heinrich Schwab et le cycle de 11 ans. » Alors le cycle des tâches solaires, c'était quand même pas forcément évident de mettre la main dessus. Il fallait un travail très très assidu. Et ce travail très assidu était mené par un astronome amateur allemand qui s'appelait Samuel Heinrich Schwab, qui a vécu de la fin du XVIIIe siècle et jusqu'en 1875, donc une bonne partie du XIXe, et qui de son propre chef, en tête-à-tête avec lui-même, a entrepris un programme d'observation solaire dont le but n'était pas du tout de qualifier l'activité solaire, puisque personne ne supposait à l'époque qu'il y avait une activité particulière, une variation d'activité du Soleil, mais c'était de découvrir les fameuses planètes intramercuriennes. Alors pourquoi cette recherche effrénée à une planète entre Mercure et Soleil ? C'est simplement parce que Mercure a une orbite très excentrique par rapport aux autres planètes du système solaire, et on pensait que l'excentricité de l'orbite de Mercure était due à des perturbations dues à une ou plusieurs autres planètes placées entre Mercure et le Soleil. Alors, dans cette recherche, nous avons l'exemple très célèbre donc de Julquin qui est une pseudo-découverte d'un astronome amateur français qui était le docteur Lescarbot. Le docteur Lescarbot qui exerçait la médecine et l'astronomie donc en Eure-et-Loir, et l'Escarbot avait cru voir passer un point noir devant le Soleil, et ça c'était à la grande époque, juste après la découverte de Neptune par Le Verrier. Et comme l'Escarbot avait un de ses amis qui était membre de l'Académie des sciences, il a fait remonter l'observation à l'Académie des sciences, et Le Verrier est tombé dessus, prenant ça comme étant l'évidence de l'explication de l'excentricité de l'orbite de Mercure. Alors, par rapport aux observations de l'Escarbot, Le Verrier avait même calculé l'orbite et la masse et la position possible de cette planète éventuelle, et il avait même calculé l'éphéméride de son retour devant le Soleil. Alors évidemment, tout le monde était sur le pied de guerre à l'époque, l'Escarbot en premier, et rien n'est réapparu. Et puis en fait, il a fallu attendre la relativité d'Einstein pour expliquer l'excentricité donc de l'orbite de Mercure, essentiellement due à la proximité du Soleil et à la courbure de l'espace-temps. Voilà. Tout ceci pour dire que Schwab a colligé des quantités de dessins du Soleil pendant environ 17 ans. Et qu'au terme de ces 17 ans, il s'est aperçu qu'il y avait des années où il n'y avait presque rien et des années où il y en avait beaucoup. Et il avait même déjà fixé la variation cyclique du nombre moyen de tâches solaires à environ 10 ans.
Alors, le cycle de Fable ou le cycle de Wolf? Eh bien, avant de démuter le chapitre, je vous livre un extrait du prologue du poème philosophique de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra. Un matin, se levant avec l'aurore, il s'avança devant le soleil et lui parla ainsi. « Ô grand astre, quel serait ton bonheur si tu n'avais pas ceux que tu éclaires? Depuis 10 ans que tu viens dans ma caverne, tu te serais lassé de ta lumière et de ce chemin, sans moi, mon aigle et mon serpent. Mais nous t'attendions chaque matin, nous te prenions ton superflu et nous t'en bénissions. Voici, je suis... » Et le mérite qu'a eu Wolf, c'est de pouvoir normaliser les observations venues d'horizons complètement différents. C'est-à-dire qu'en mettant en place ce nombre qui correspond au nombre de groupes de tâches multipliés par un facteur 10, plus le nombre de tâches individuelles incluant celles qui font partie des groupes, et en multipliant tout ça par un coefficient d'équation inter-observateur, le 1 étant donc en gros son propre coefficient à lui, donc par rapport à ce que lui pouvait observer, il a réussi à pouvoir rendre comparables des observations qui ne l'étaient pas, et donc à partir de l'observation et de la conclusion de Fable, Wolf a pu remonter dans le passé. Il a réussi par rapport à toutes les observations qu'il a pu engrainer et donc consulter, il a pu remonter jusque la moitié du XVIIIe siècle, donc jusqu'au cycle de 1755-1766, qui porte le nom de cycle numéro 1. Donc quand vous voyez qu'actuellement on est en train d'aborder le cycle 25, c'est le cycle 25 par rapport à donc au cycle numéro 1 de 1755-1766 qu'on est en train d'aborder. Alors le nombre de Wolf, on l'appelle aussi nombre de Zurich, puisque tout ça, ça s'est fait en Suisse, mais on le connaît surtout sur le nombre de Wolf. Et tout ceci à partir de la découverte d'un astronome amateur. Et là, c'est le parfait exemple d'une collaboration âme-pro, parce que c'est une découverte d'amateur qui a amené les professionnels à travailler, et non l'inverse. Alors en 1852, on commence à s'intéresser à l'activité magnétique du Soleil, et on s'aperçoit que la période du cycle des tâches est superposable à l'activité géomagnétique du Soleil, et ça c'est un travail et une conclusion qui a été donc publié par Édouard Sabine, donc qui est aussi un astronome et un physicien du 19e siècle. Et il a fait ça à partir de données qui commençaient à s'accumuler. Il avait une base de données d'environ 20 ans qui lui permettait de faire la corrélation. Et ces travaux ont été aussi menés par Wolf et par Gautier à la même époque et pour obtenir les mêmes conclusions. Et là, on commence à s'apercevoir qu'il y a une interaction intime entre le Soleil, qui, bien que situé à 150 millions de kilomètres de la Terre, agit au quotidien en permanence sur le milieu terrestre par le biais pas forcément que de la lumière et pas forcément que de la chaleur. Ensuite, un autre grand nom de l'observation et de la physique solaire du 19e siècle, c'est Richard Christopher Carrington. Et voici quelques extraits du poème de Victor Hugo, À la fenêtre pendant la nuit, les contemplations. L'astre est-il le point fixe en ce mouvant problème? Le ciel que nous voyons fut-il toujours le même? Le sera-t-il toujours? L'homme a-t-il sur son front des clartés éternelles? Et verra-t-il toujours les mêmes sentinelles monter au même tour? Ne verrons-nous jamais briller de nouveaux astres? Et les cintres nouveaux et de nouveaux pilastres luire à notre œil mortel dans cette cathédrale au formidable porche dont le septentrion éclaire avec cette torche l'effrayant maître-autel. Qui donc a vu la source et connaît l'origine? Qui donc, ayant sondé l'abîme, s'imagine en être mage et roi? Ah, fantômes humains, courbés sous les désastres, qui donc a dit « C'est bien, éternel, assez d'astres, n'en fais plus, calme-toi ». Donc, ne nous disons pas, nous avons nos étoiles,
des flottes de soleil peut-être à pleine voile vaines en ce moment. Peut-être que demain le Créateur terrible, refaisant notre ennemi, va contre une autre clible changer le firmament. Qui sait, que savons-nous sur notre horizon sombre, que la création impénétrable, que la création impénétrable encombre de ses taillis sacrés, muraille obscure où vient battre le flot de l'être. Peut-être allons-nous voir brusquement apparaître des astres effarés, des astres éperdus arrivant des abîmes, venant des profondeurs ou descendant des cimes. Et si nos noirs arceaux, entrant en foule, épars, ardents, pareil aux rêves, comme dans un grand vent s'abat sur une grève, une troupe d'oiseaux. Donc Richard Carrington va s'apercevoir que les tâches ne tournent pas toutes en même temps, à la même période de révolution, suivant leur situation sur le Soleil, et il va s'apercevoir aussi d'une autre donnée fondamentale, c'est qu'en fonction du moment du cycle solaire, la latitude d'apparition et de circulation des tâches varie donc en fonction du cycle. Alors, cette variation de latitude, elle est de 40 degrés jusqu'à 5 degrés de latitude nord au sud, évidemment, à mesure que le cycle progresse. Donc, plus on va vers donc la fin d'un cycle, plus les tâches se rapprochent de l'équateur solaire. Et le mouvement donc, des tâches est beaucoup plus rapide à l'équateur qu'en latitude élevée. C'est un peu comme les formations de Jupiter, et ça a permis de confirmer ce qu'on pensait déjà très fort depuis fort longtemps, à savoir qu'on avait affaire à quelque chose qui n'était pas solide. C'est-à-dire que le Soleil, c'était donc un corps incandescent, certes, un corps gazeux, certes, mais un corps gazeux très très chaud, donc un plasma, c'était quelque chose de relativement immatériel par rapport à sa définition. Alors en 1859, toujours Carrington, qui était un observateur acharné, il ne faut pas oublier aussi que Carrington était aussi un astronome amateur. Le 19e siècle a foisonné d'astronomes amateurs qui ont fait des découvertes importantes dans issues de leurs observations. L'un des plus célèbres, c'est Baer et Madler, qui étaient aussi des astronomes amateurs qui ont observé copieusement la planète Mars dans la première moitié du 19e siècle. Je passe le détail sur Lord Rosse, qui a été le premier à définir la forme des nébuleuses de spirales grâce à son télescope d'1,83 m de diamètre, qui a été le plus grand télescope du monde de 1845 jusqu'en 1908. Et il y en a eu plein d'autres. Donc, pour revenir à Carrington, il observe le 1er septembre 1859 deux taches solaires lumineuses qui deviennent de plus en plus brillantes et il voit deux points blancs donc, au centre d'un groupe de taches. Et ces deux points blancs ont très très vite évolué et ces taches se sont graduellement déplacées avant de disparaître. Donc là, vous voyez sur la représentation, elles étaient initialement en position A et B et elles se sont éteintes en position C et D quelques minutes plus tard. Et ça, c'était la première fois qu'on observait ce phénomène d'éruption solaire. Inutile de vous dire que s'il y avait eu la radio, Internet et tout ce qui s'ensuit, apparemment, l'éruption de 1859 a été modélisée et ça aurait été vraiment un gros cataclysme informatique si l'informatique avait existé à l'époque. À l'époque, dans le soleil de Secchi, qui est un... Alors Secchi, c'était un astronome italien qui a été, on va dire, le popularisateur de la physique solaire de son époque et c'est aussi l'un des grands précurseurs de la spectroscopie. Et dans le soleil de Secchi, il y a une description qui date donc de cette période de 1859 où des gens ont vu une protubérance solaire à l'œil nu au coucher du soleil, alors qu'il n'y avait pas d'éclipse. Donc c'était quand même exceptionnel. Alors, pour reprendre les travaux de Carrington, là, un travail de monsieur et madame. Donc, on a parlé de Maunder tout à l'heure. Donc là, c'est monsieur et madame Maunder qui se sont mis au travail et qui se sont amusés à représenter en graphique sur un diagramme latitude-temps, donc la latitude en ordonnée et le temps en abscisse,
l'évolution de la latitude des taches solaires. Et on met, ça met donc bien en évidence ce qu'avait noté Carrington, c'est-à-dire qu'à mesure que le cycle évolue, on voit des taches qui descendent de plus en plus vers l'équateur. Chaque tache est représentée par un trait vertical qui correspond à sa variation en latitude pendant son existence sur la surface du Soleil, parce qu'une tache ne reste jamais complètement fixe à sa latitude, elle oscille un petit peu. Et on s'aperçoit, par rapport à ce graphique-là, qu'en fait, l'intensité donc de montée en latitude, elle subit une variation cyclique, qui est donc une variation qui est plus importante en longueur que le cycle de 11 ans, qui a été attribuée d'ailleurs au fonctionnement magnétique du Soleil, donc à la dynamo hydromagnétique, et ce dès cette époque-là, puisque les progrès en matière de d'exploration de l'activité électromagnétique du Soleil avaient fait quand même beaucoup de progrès à la fin du 19e. Alors en 1908, un autre astronome, on va dire universel, c'est George Henry Hale, celui qui a donné son nom à ce qui était le plus grand observatoire du monde de l'après-guerre, donc jusqu'à, on va dire, l'ouverture en 1975 du télescope de 6 mètres de diamètre de Zelenchuk qui n'a jamais fonctionné. Donc Hale, donc, qui a vécu de 1868 à 1938 avec quelques-uns de ses collaborateurs, mais il s'amuse à faire de la spectroscopie sur des taches solaires. Et alors, il identifie à ce moment-là ce qu'on appelle un effet Zeeman, c'est-à-dire un effet de modification de la lumière quand la lumière est exposée à un champ magnétique très intense. Et à partir de là, ça lui permet de conclure de la très très importante activité magnétique au niveau des taches solaires. Et il a pu quantifier donc l'intensité du champ magnétique du Soleil à la suite de ces observations-là et d'autres. Et c'était d'ailleurs la première fois qu'on mettait en évidence un champ magnétique ailleurs qu'autour de la Terre. Et l'intensité du champ magnétique solaire, qui est de l'ordre de 3000 Gauss, elle est à peu près donc 1000 fois plus élevée que le nôtre. Et alors, en fait, il a compris que par la suite, la pression associée à ce champ magnétique et son interférence avec le transport, donc convertisse d'énergie, a conduit à des températures plus basses dans les taches solaires par rapport à la photosphère. Et ça rapproche déjà ce qui avait déjà été supputé au début du 19e siècle. Donc, on a confirmation par des moyens scientifiques qui n'existaient pas au début du 19e, de ce qu'on pensait très fort à l'époque de Herschel. Et ben, il s'arrête pas là, puisqu'il s'aperçoit que la polarité des taches solaires ne répond pas complètement au hasard, mais à une certaine loi qu'il arrive à édicter, qu'on appelle maintenant la loi de polarité de Hale. Et donc, qui édicte que les paires de grandes taches solaires montrent presque toujours le même patron de polarité magnétique dans chaque hémisphère solaire, et évidemment le patron opposé dans l'hémisphère inverse. Et que ces patrons de polarité, ils s'inversent d'un cycle à l'autre, d'où l'existence d'un cycle de 22 ans environ, qui est le cycle de polarité magnétique des taches solaires, qui est le double du cycle de visibilité, d'apparition des taches elles-mêmes. Alors on dit maintenant on fait des photos, des photos, des photos. Alors, on n'en a pas toujours fait, puisqu'à l'époque où il n'y avait pas la photographie, on ne pouvait pas en faire. Mais on va voir que les prises de vue du Soleil remontent déjà à quelques dizaines d'années. Alors la première photographie du Soleil, donc elle a été prise, la photographie tout court a été prise en 1830 par Nicéphore Niépce, qui est un Français donc originaire de la région de Lyon. Et par Louis Daguerre, et ils avaient mis au point le système du daguerréotype, alors qui évidemment a tout de suite enthousiasmé la communauté scientifique astronomique. Et la photographie s'est développée en France rapidement parce que tout ceci a passionné un astronome qui était aussi un politicien français influent, qui était François Arago,
Dont le frère Étienne était aussi un politicien très introduit au Sénat. Donc les moyens qui ont été alloués en France pour le développement de la photographie ont été importants dès le début. Ah. Voilà, donc la première photographie du soleil. Donc, elle est due en 1845 à Louis Fizeau et à Léon Foucault. Donc, c'est la photo que vous avez représentée ici, où on voit les taches. C'est une image qui fait 12 cm de diamètre, qui est une image lisible. Hein. Donc, il y a eu d'autres essais avant qui n'ont pas été visibles. Et pour ce qui est d'une éclipse totale de soleil, c'était le 28 juillet 1851, à l'observatoire de Königsberg par Berkowski. Et la première photographie d'une protubérance solaire, c'était le 22 décembre 1870. Voilà, c'est pas vrai. Donc, vous m'excusez deux minutes. Allô? Oui, je suis en pleine conférence, je rappelle après. Hein. Voilà, donc par Jung. Jung, qui est l'auteur d'ailleurs d'un ouvrage sur le soleil, qui est un ouvrage très très complet de la fin du 19e siècle. On va dire que Jung a complété admirablement l'œuvre de Secchi en venant derrière lui une trentaine d'années plus tard. Alors ensuite, grande étape de l'exploration et de la connaissance du soleil, donc le spectre du soleil, où là on a plusieurs intervenants et... dont la liste sur cette en-tête est loin d'être exhaustive. Alors, en prélude, extrait d'un poème de Victor Hugo, Les Orientales, 1829, Rêverie. Oh, laissez-moi, c'est l'heure où l'horizon qui fume cache un front inégal sous un cercle de brume, l'heure où l'astre géant rougit et disparaît. Le grand bois jaunissant dort seul la colline. On dirait qu'en ces jours où l'automne décline, le soleil et la pluie ont rouillé la forêt. Oh, qui fera surgir soudain, qui fera naître là-bas, tandis que seul je rêve à la fenêtre et que l'ombre s'amasse au fond du corridor, quelque ville mauresque, éclatante, inouïe, qui, comme la fusée en gerbe épanouie, déchire ce brouillard avec ses flèches d'or. Qu'elle vienne inspirer, ranimer, ô génie, mes chansons, comme un ciel d'automne rembruni, et jeter dans mes yeux mon magique reflet. Et longtemps, s'éteignant en rumeurs étouffées, avec les mille tours de ses palais de fées, brumeuses, dentelées l'horizon violet. Donc la spectroscopie, c'est arrivé un petit peu à la fois, mais à partir de constatations qui datent du XVIIe siècle. Et c'est Isaac Newton qui, le premier, s'est intéressé vraiment au sujet suite aux écrits de Descartes et de Boyle. Descartes qui, dans ses lois, avait déjà défini le tracé de la lumière dans différents milieux optiques, à savoir entre l'air et le verre. Et Newton donc a fait passer un faisceau de lumière solaire à travers un prisme et a donc permis ce qui a permis la décomposition de la lumière dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis en mettant un deuxième prisme donc à la suite du premier, elle a pu recombiner la lumière pour refaire un faisceau de lumière blanche. Sa conclusion, la lumière du soleil est une somme de lumière. En 1800, William Herschel, toujours le même, donc lui découvre les rayonnements infrarouges en utilisant une méthode un petit peu originale, c'est-à-dire qu'il décompose la lumière du soleil au moyen d'un prisme, et un petit peu au-delà du rouge, il a placé des thermomètres, et il s'est aperçu que les thermomètres montaient en température, donc au-delà du rouge, ce qui lui a permis de conclure qu'il existait une lumière que l'œil ne voyait pas, mais que le rayonnement du soleil se poursuivait au-delà de la lumière visible. Alors bien sûr, il a essayé de mettre des thermomètres aussi du côté de au-delà du violet, et ça n'a pas marché. Pas simplement parce que l'ultraviolet ne fait pas monter la température,
et il a fallu attendre un an, à savoir les travaux de Ritter, qui lui a fait un montage comparable à celui de Herschel, mais au lieu de mettre des thermomètres du côté du violet, il a mis un papier imbibé de chlorure de sodium, et il s'est aperçu que le papier noircissait au-delà du violet, et donc il a démontré qu'il existait aussi donc une radiation au-delà du violet, qui a pris le nom de radiation ultraviolette. On commence à s'apercevoir, donc au tout début du 19e siècle, qu'il y a ce qu'on voit et qu'il y a probablement beaucoup de choses qu'on ne voit pas. En 1802, donc Wollaston remarque que dans le spectre du Soleil, il y a des raies sombres. Donc, en utilisant la même technique que Newton. Et bon, bah, ces raies, il n'en fait pas grand-chose. Il croit au départ qu'elles sont juste à la jonction entre les couleurs. Bon, parce qu'il avait quand même, on va dire, un spectroscope de très très faible résolution, évidemment. Mais ce sont quand même les débuts de la spectroscopie solaire. On ne sait pas trop ce qu'on peut faire de ces raies, mais on sait qu'elles existent. Fraunhofer, donc une trentaine d'années plus tard, reprend la chose. Il invente un système de spectroscope, qui est le spectroscope à réseau, donc avec une résolution bien meilleure. Et lui, il fait le détail des raies sombres du spectre solaire qui dénombre en beaucoup plus grand nombre que ce qu'avait fait son prédécesseur. Mais bon, c'est tout. Il note qu'il y a de plus en plus de raies sombres, mais sans trop essayer de comprendre à quoi elles correspondent. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Très vite, d'autres physiciens se sont intéressés à ça et en ont fait donc un moyen extraordinaire de déterminer les propriétés physiques de l'atmosphère solaire en comparant donc le spectre de gaz échauffés avec le spectre du Soleil, en sachant que tout ce qui est surchauffé provoque des raies d'émission et tout ce qui est plus froid provoque des raies d'absorption. Et en 1859, c'est Bunsen et Kirchhoff qui vont donc vraiment s'atteler au sujet. Et à la suite d'expériences consistant à chauffer des gaz et à comparer les spectres des gaz chauffés avec en fonction de la longueur d'onde et par rapport aux mêmes raies mais d'absorption du spectre solaire, bah, ils ont réussi à déterminer en gros ce qui composait la lumière du Soleil. Et donc Kirchhoff retrouve plusieurs éléments chimiques et dont certains métaux connus sur Terre, le fer en particulier. Pour ce qui est de l'hydrogène, au niveau du Soleil, il a été identifié en 1862 par Angstrom. Et par contre, ça n'est que dans les années 1920 qu'on s'est aperçu que c'était le composé le plus important, le plus abondant dans le Soleil. En 1868, on découvre l'hélium durant l'éclipse totale du 18 août 1868. Et c'est Lockyer et Janssen, le français Jules Janssen, fondateur de l'observatoire de Meudon, qui observe dans le spectre du Soleil d'une protubérance, donc une raie spectrale, donc coïncidant à aucune raie connue d'aucun élément connu. Alors, Janssen et Lockyer poursuivent leurs observations les jours suivants, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, Janssen avait déjà mis au point un spectrohéliographe qui lui permettait d'observer le Soleil dans diverses couleurs, et en particulier dans le H-alpha, et donc il n'y avait plus besoin d'attendre des éclipses de Soleil pour voir les protubérances. Et donc ce nouveau composé, il a pris le nom d'hélium en déduisant, et c'est Lockyer qui l'a nommé hélium en se disant il existe dans le Soleil, il n'existe pas sur Terre. Et puis en 1895, pour finir, on a retrouvé de l'hélium sur Terre et c'est Ramsay qui l'a découvert. La raie verte coronale, donc c'est durant l'éclipse du 7 août 1869. Qui est observé en Amérique du Nord par les astronomes Wood et Harkness, et qui observe donc dans le spectre de la couronne une très faible raie verte d'émission. D'ailleurs, cette raie verte d'émission, c'est aussi celle qui fait partie de ce qu'on appelle le rayon vert. Et le rayon vert, c'est une émission due au découpage donc de l'image du Soleil par les couches de l'atmosphère solaire, de l'atmosphère terrestre dès lors qu'elles sont en alternance de forts et faibles indices de réfraction.
et ça correspond à la lumière qui est juste au-dessus donc de la chromosphère et qui est de la lumière de la basse couronne. Alors le Soleil a d'autres visages puisque on a pu explorer aussi l'explorer sous d'autres aspects. Oui, le Soleil est facétieux, il a de multiples visages et en plus, il nous fait croire qu'il est jaune, orange, rouge, alors qu'il est blanc. Il peut même subrepticement nous dévoiler du vert. L'atmosphère et nos yeux sont de connivence dans cette affaire. Qui peut se targuer d'avoir vu cette couleur verte, appelée rayon vert? Jules Verne, romancier de l'époque romantique, s'est emparé de ce fameux rayon vert pour en faire un roman éponyme sur fond de romance. En voici un extrait. Avez-vous quelquefois observé le soleil qui se couche sur un horizon de mer? Oui, sans doute. L'avez-vous suivi jusqu'au moment où la partie supérieure de son disque effleurant la ligne d'eau, il va disparaître? C'est très probable. Mais avez-vous remarqué le phénomène qui se produit à l'instant précis où l'astre radieux lance son dernier rayon? Si le ciel, dégagé de brume, est alors d'une pureté parfaite? Non, peut-être. Eh bien, la première fois que vous trouverez l'occasion, ce ne sera pas, comme on pourrait le croire, un rayon rouge qui viendra frapper la rétine de votre œil. Ce sera un rayon vert, mais d'un vert merveilleux, d'un vert qu'aucun peintre ne peut obtenir sur sa palette, d'un vert dont la nature, ni dans la teinte si variée des végétaux, ni dans la couleur des mers les plus limpides, n'a jamais reproduit la nuance. S'il y a du vert dans le paradis, ce ne peut être que ce vert-là, qui est sans doute le vrai vert de l'espérance. Alors, on va remonter un petit peu dans le temps, et en 1644, on a déjà un philosophe, donc René Descartes, le français, qui suspecte que le Soleil est finalement une étoile comme les autres. Donc, comme quoi les idées sont parfois très très précoces. Et donc, et que ce soleil s'est formé au centre d'un tourbillon primordial. Donc, vous voyez que les hypothèses actuelles étaient déjà dans les têtes de beaucoup il y a déjà bien longtemps. Bon. Son interprétation de la nature des taches solaires donc reste un petit peu plus aléatoire par rapport à la véracité scientifique, puisque pour lui, les taches solaires étaient des agrégats de matière primordiale flottant à la surface du soleil, après avoir été accrété le long de son axe de rotation. Bon, c'est pas tout à fait ça. En 1687, Newton, qui édicte la grande loi F égale K, mm' sur D2, connaissant la masse de la Terre, connaissant la distance, il s'est dit, je vais calculer la masse du Soleil. Bon, sauf que l'évaluation de la distance, elle était ce qu'elle était, mais c'était pas forcément très très précis, et en fait donc il donne une estimation donc qui est relativement bonne, mais qui est quand même avec une erreur d'environ 25% par rapport à ce qu'on connaît actuellement. Il fait paraître donc tout ça dans son ouvrage Les Principia Mathematica. En 1733, un astronome français tombait complètement dans l'oubli, Jean-Jacques d'Orthouse de Méran, qui est mathématicien, astronome et géophysicien français, donc qui est né en 1678 et mort en 1771, donc il a quand même vécu longtemps, et comme toutes ces personnes qui ont vécu très âgées au XVIIIe siècle, il n'est pas mort aveugle, comme quoi la DMLA n'est pas forcément liée à l'âge. Il a été l'auteur du premier ouvrage traitant du phénomène aurore boréale, le traité physique et historique de l'aurore boréale, donc qui est paru en 1733. Et dans cet ouvrage, on trouve une planche que j'ai reproduite ici. Celle-là, je n'ai pas trouvée sur Internet, puisque j'ai trouvé dans mon exemplaire du traité de l'aurore boréale de Méran, et qui représente, en gros, ce qu'il pensait de l'explication du phénomène aurore boréale. Il pensait que c'était une émanation directe de l'atmosphère extérieure du Soleil. Bon, évidemment, le phénomène aurore boréale, ce n'est pas tout à fait ça, mais quand même,
s'il n'y avait pas les particules arrivées de l'atmosphère extérieure du Soleil dans le champ magnétique de la Terre, et provoquant l'ionisation qu'on connaît, il n'y aurait pas d'aurore boréale. Il avait quand même, bon, à ceci près, qu'il ne parlait pas de phénomène électrique. Il avait remarqué que la couronne solaire observée pendant les éclipses et les lumières zodiacales du mois de mars le soir ou du mois d'août-septembre le matin, ben, elles faisaient partie d'un seul et même phénomène qui était la couronne solaire. À ceci près qu'il y a deux couronnes solaires. Il y a la couronne gazeuse qui est celle qui est provoquée par le plasma, donc qui elle envoie des particules avec haute énergie et sont responsables du phénomène aurore boréale. Et puis aussi, il y a ce qui est responsable de la lumière zodiacale, qui est la couronne K, qui est la couronne de poussière. C'est, en gros, c'est une luminescence qui est provoquée par le Soleil sur les résidus de poussière qui n'ont pas été accrétés lors de la formation des planètes, donc entre, on va dire, le Soleil et puis Vénus. C'est un ouvrage qui est passionnant, qui décrit tous les types d'aurores boréales. Même actuellement, c'est quelque chose de très très actuel, puisqu'il fait une description exhaustive de tous les types d'aurores qu'on peut rencontrer. Et ce qui l'a inspiré pour la rédaction de cet ouvrage, c'est une aurore boréale très spectaculaire qui a été observée pendant toute la nuit, je ne sais plus quel jour, mais c'était en 1726, donc 7 ans avant, et qui a été observée même jusqu'au sud de l'Espagne. Alors en 1796, donc Marie-Françoise a mentionné tout à l'heure Pierre-Simon de Laplace. Et bien, Pierre-Simon de Laplace, il s'est servi des observations de Herschel pour déduire certaines choses qui se sont avérées parfaitement exactes, puisque Herschel avait souligné l'exemple d'objets astronomiques diffus à Pénébuleuse. Il n'était pas le premier, hein, on sait que Messier l'avait fait avant lui. Le catalogue de Messier donc, avait été justifié par le fait que Messier, c'était le chercheur de comètes de Louis XV, et que pour chercher les comètes et annoncer autre chose que des objets existants, il fallait déjà cataloguer les objets existants. Donc il observait en plein centre de Paris avec une lunette de 75 mm de diamètre. Donc il avait catalogué les objets qui paraissaient nébuleux et fixes avec une lunette de 75 mm de diamètre, d'où son catalogue d'environ 110 objets. Là-dessus, Herschel a considérablement augmenté le catalogue, puisque lui observait avec des instruments qui faisaient un diamètre beaucoup plus important. Et en voyant ces nébuleuses, Laplace s'est dit, en particulier les nébuleuses d'émission, on ne savait pas qu'elles étaient d'émission à l'époque, donc on voyait bien qu'elles n'avaient pas de forme particulière. Il y avait souvent des étoiles brillantes au centre, la nébuleuse d'Orion par exemple. Laplace s'est dit, les étoiles, il est fort possible qu'elles naissent de l'effondrement de ce gaz en quantité. Et donc l'hypothèse de l'effondrement gravitationnel des nuages de gaz en rotation, c'était l'hypothèse que Pierre-Simon de Laplace a exposée dans son ouvrage, qui lui aussi est passionnant à lire, qu'on peut trouver sur Gallica en PDF, qui est l'exposition du système du monde, qui est paru en 1795. En 1838, on mesure la constante solaire, qui est définie comme la quantité d'énergie illuminant un mètre carré de la haute atmosphère terrestre à une distance d'une unité astronomique. Alors, les premières tentatives, donc, elles ont été réalisées à peu près simultanément par John Herschel, qui est le fils de William, et par un Français qui était Claude Pouillet, qui a mis au point un appareil qu'on appelle le pyrohéliomètre de Pouillet, dont vous avez la représentation donc, sur l'illustration. Alors, bon, à ceci près que les valeurs donc déterminées au début du 19e étaient en gros entachées de la moitié de la valeur réelle à cause de l'absorption atmosphérique, ils ont quand même réussi avoir une petite idée de ce que le Soleil pouvait donc délivrer sur Terre du point de vue quantité d'énergie, et la valeur actuellement admise, elle est de 1367 plus ou moins 4 watts par mètre carré. Première éjection coronale avérée, l'éclipse de 1860. L'éclipse de 1860 qui a été très très observée. Il y a eu des quantités de missions, c'est une éclipse qui intéressait les États-Unis et le Canada, qui a d'ailleurs été aussi fait partie de l'intrigue d'un autre roman de Jules Verne, qui n'est pas Le Rayon Vert, mais Le Pays des Fourrures.
où à un certain passage, on a en gros de la traversée donc, des immensités canadiennes par une équipe d'astronomes qui, pour finir, va arriver trop tard sur la zone d'observation d'éclipse. Et donc, lors de cette observation de couronne, il y a cette espèce de serpentin qu'on voit en bas et à droite des dessins qui correspond à une éjection de masse coronale qui était saisie en pleine expansion. Il fallait être là au bon moment, hein, parce que ce genre de choses, ça ne dure pas forcément très longtemps. Il est même probable que certains observateurs de la même totalité, donc en gros une heure avant, n'aient pas eu le phénomène et qu'une heure après, il n'y avait plus de phénomène non plus. Donc, il fallait vraiment être là au bon moment. Et c'est ces éjections de masse coronale qui sont responsables de tous les désordres électromagnétiques qu'on a pu déjà observer sur Terre et qui sont responsables aussi, pour le plus grand bonheur des voyeurs du ciel, des phénomènes d'aurore boréale spectaculaire. En 1899, on commence à comprendre que les aurores boréales sont des phénomènes, on va dire, électromagnétiques, conséquence de l'électromagnétisme de la Terre et de l'envoi de particules à haute énergie venant du Soleil. Alors la corrélation, donc les interactions Terre-Soleil, on a vu qu'elles avaient déjà été suspectées par Herschel, mais pour ce qui est de la corrélation entre les tâches solaires et le climat, ben Maunder, c'est pareil, hein, mais c'était après, c'était au début du 20e. Et par rapport donc aux aurores boréales, le traité de Mehran ne mettait pas en évidence d'hypothèses vraiment très très avérées par rapport au mécanisme des aurores. C'était surtout de l'observationnel. Et il a fallu attendre donc les travaux de Birkeland, qui est un physicien norvégien, pour avoir donc une explication du phénomène aurore, puisqu'il a reproduit des aurores en laboratoire. Et il a conclu que les aurores sont causées par l'arrivée épisodique de faisceaux de particules chargées provenant du Soleil, déviés canalisés dans les hautes latitudes par le champ magnétique terrestre. Il ne faut pas oublier que le champ magnétique terrestre, on en connaissait l'existence, mais pas du tout l'architecture, puisque l'architecture du champ magnétique terrestre, et donc en particulier des ceintures de Van Allen, et ben ça date des débuts d'exploration spatiale, donc fin des années 50, début des années 60. Alors ben ensuite, le Soleil, ça marche comment? Là, on va étudier un peu le chauffage central. Et donc, le premier a suggéré une hypothèse, donc, on va dire, radioactive, sans que ce soit vraiment radioactif d'ailleurs, c'est Rutherford. En fait, c'est une fusion thermonucléaire qui n'est pas un phénomène radioactif, ce n'est pas une fission. Alors, en utilisant donc la relation masse-énergie, donc Albert Einstein apporte un petit peu d'eau au moulin de tout le monde. Et il faut attendre 1920 et un régional de l'étape, Jean Perrin, qui est un astrophysicien, physicien, donc qui a eu une carrière brillantissime. Il faut savoir que Jean Perrin, il est né en 1870 à Lille. Et ensuite, Eddington, donc, qui a travaillé aussi sur le même sujet, donc... ils font état d'une théorie faisant du centre du Soleil le siège de pression à une température très très importante permettant la fusion thermonucléaire de l'hydrogène en hélium. De l'hydrogène en hélium, c'est bien ça. En prenant de l'hydrogène, 4 hydrogènes et en faisant un hélium, on perd un petit peu de masse et cette perte de masse, c'est elle qui provoque, qui crée l'énergie et la lumière par diminution de masse. Et donc cette prépondérance de l'hydrogène dans le soleil, donc elle a été confirmée seulement en 1925, vous voyez, c'est quand même assez récent, par Cecilia Payne Gapoching, donc qui était une physicienne, je crois qu'elle était ukrainienne. Et ensuite, bon, ces travaux ont été complétés par d'autres travaux, donc dont le plus célèbre d'entre eux est celui de Chandrasekhar. Et donc, qui, eux, ont affiné les mécanismes des principales réactions nucléaires produisant de l'énergie au cœur du Soleil. Donc là, au début du XXe siècle, premier tiers du XXe siècle, on sait en gros comment fonctionne le Soleil à peu près comme maintenant. En 1931, évidemment, une invention française,
le coronographe inventé par l'astronome français Bernard Liot. Donc, un instrument destiné à tenter d'observer la couronne solaire autrement que pendant les éclipses. Alors, il ne faut quand même pas trop se faire d'illusions. Même si on va très haut en altitude, le coronographe va vous montrer que autour du Soleil, les premières minutes de degré, en apparence, autour du limbe du Soleil. Parce que pour voir plus loin, il faudrait que le disque occulteur soit beaucoup plus en altitude. Donc c'est ce que fait une éclipse totale de Soleil. Le disque occulteur, il est à 380 000 km de distance en moyenne. Et donc là, on a un réel effet de contraste. Quand on met un disque occulteur donc, devant une lentille percée, comme vous voyez sur le dessin, c'est quand même beaucoup moins évident. On va dire que c'est pour les premiers milliers de kilomètres au-dessus de la chromosphère, ça marche, dans des sites exceptionnels et avec des optiques taillées dans des verres particulièrement transparents. Mais sinon, il ne faut pas vous imaginer avec un coronographe pouvoir obtenir des images de couronne solaire comme on en obtient lors des totalités d'éclipses, ou comme la sonde Soho peut en obtenir, puisqu'elle est complètement dans un milieu dépourvu de diffusion. Mais il n'empêche que ça a permis quand même de comprendre déjà ce qui se passe entre la jonction chromosphère-couronne, parce qu'il se passe des choses. Et donc en 1941, on commence à déterminer la température de la couronne solaire. Et là, c'est la superbe surprise, parce qu'on s'aperçoit que des 6000 degrés donc de température de la chromosphère, on passe à 1 à 2 millions de degrés en faisant un saut de quelques centaines de kilomètres dans la très basse couronne. Et on s'aperçoit aussi, par les travaux d'Elden entre autres, que les composés qui sont les plus présents dans la basse couronne solaire, ce sont les raies d'émission attribuées au fer. Au fer, donc dans des états très instables, évidemment. Et donc, pour l'instant, la grande question, c'est de savoir quand même comment expliquer, on va dire, le plus logiquement possible, cet échauffement brutal, alors qu'on sort, on va dire, de la partie lumineuse et brillante du Soleil. Alors en 1942, les Anglais mettent au point les radars, et puis il y a des choses un peu bizarres qui se passent. Donc il y avait des radars militaires qui étaient installés un petit peu partout, c'était quand même le moyen de détecter l'arrivée des bombardiers allemands. Et puis, il s'avère que les antennes radio ont récupéré des bursts radio qui ont été attribués dans un premier temps à du brouillage allemand. Et puis, dans un deuxième temps, il a fallu se reconnaître que c'était des bursts radio d'origine naturelle qui étaient dus au soleil. Alors, naturellement, pendant la guerre, tout ça, ça a été passé sous silence parce qu'il ne fallait pas vendre un éventuel secret à l'ennemi. Et ça n'est qu'après la guerre que tout ça, ça a été publié, et encore sous une forme édulcorée, revue et visitée par les censeurs militaires qui ne voulaient pas laisser passer leur secret de fabrication. Et puis en fait, donc, de là est née la radioastronomie solaire, qui a permis de confirmer, entre autres, la haute température de la couronne, qui avait déjà été déduite par des observations au coronographe. Et maintenant, on se sert de la radio pour donc quantifier l'activité solaire, et ce depuis l'après-guerre. Et donc là, depuis l'après-guerre, on a un peu plus de 70 ans d'observation de l'activité solaire, avec une précision beaucoup plus importante que le simple comptage observationnel des tâches, des facules et autres, pour pouvoir estimer quelle est l'intensité de l'activité solaire, et surtout les moments de reprise et de fin de cycle. Et maintenant, en fin de conférence, Marie-Françoise va vous proposer une ultime balade. Nous vous emmenons pour une ultime balade poétique dans les cieux. Fermez les yeux, écoutez. La Voie lactée, Victor Hugo, la légende des siècles, abîme. Millions, millions et millions d'étoiles, je suis dans l'aube affreuse et sous les sacrés voiles, la splendide forêt des constellations.
C'est moi qui suis l'amas des yeux et des rayons, l'épaisseur inouïe et morne des lumières. Encore tout débordant des effluves premières, mon éclatant abîme est votre source à tous. Ô les astres d'en bas, je suis si loin de vous, que mon vaste archipel de splendeurs immobiles, que mon tas de soleil naît pour vos yeux débiles, au fond du ciel, désert lugubre où meurt le bruit, qu'un peu de cendre rouge éparse dans la nuit. Mais, ô globes rampants et lourds, quelle épouvante pour qui pénétrerait dans ma lueur vivante, pour qui verrait de près mon nuage vermeil. Chaque point est un astre, et chaque astre un soleil. Autant d'astres, autant d'immensités étranges, diverses, s'approchant des démons ou des anges, dont les planètes font autant de nations. Un groupe d'univers en proie aux passions tourne autour de chacun de mes soleils de flammes. Dans chaque humanité sont des cœurs et des âmes, miroirs profonds ouverts à l'œil universel. Dans chaque cœur l'amour, dans chaque âme le ciel. Tout cela naît, meurt, croît, décroît, se multiplie. La lumière en regorge et l'ombre en est remplie. Dans le gouffre sous moi, de mon aube éblouie, globe, grain de lumière, au loin épanoui, toi, zodiaque, vous, comètes éperdues, tremblants, vous traversez les blêmes étendus, et vos bruits sont pareils à de vagues clairons, et j'ai plus de soleil que vous de moucherons. Mon immensité vit, radieuse et féconde. J'ignore par moments si le reste du monde, errant dans quelque coin du morne firmament, ne s'évanouit pas dans mon rayonnement. Bien. Voilà.
Là. Là. C'est bon? Là. Bien. Alors, je vais passer là, ici, je vais couper. Ah, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Hop. Ça passe. Vous m'entendez? Ça va? C'est bon? Oui, oui. Bon, ben, c'est parfait. Eh bien, écoutez, alors, je vais en profiter d'abord pour dire un grand, grand bravo à Philippe et à Marie-Françoise, bien sûr, hein, pour cet exposé brillant, hein, à la fois pour son aspect scientifique et puis aussi pour le côté poétique, hein, qui était très agréable et qui nous donnait de temps en temps une petite pause agréable donc à entendre. Hein. Et je retiendrai de cet exposé en particulier le fait que en fait, l'étude du Soleil a véritablement accompagné les progrès de la science et de la physique et de l'astronomie pendant des siècles. Hein. En fait, c'est véritablement une illustration des progrès en question. Hein, à partir des Grecs, bien sûr, qui furent les premiers à donner des phénomènes naturels une interprétation non mythique, mais de proposer un modèle physique, hein, les tout premiers à le faire. Alors, on passera sur tous les détails qui ont déjà été donnés par Philippe. On prendra par exemple Aristarque de Samos, hein, quand même, qui a été le premier à proposer un modèle héliocentrique. Hein. Puis ensuite, bien sûr, les travaux de Kepler, les taches solaires, etc. Une chose aussi très intéressante, c'est petit à petit l'émergence de l'idée selon laquelle le Soleil n'est qu'une étoile comme une autre. Autrement dit, cette identité de nature entre le Soleil et les étoiles fait qu'en étudiant le Soleil, on étudie les étoiles et on a, à une distance relativement faible, hein, 150 millions de kilomètres, ce n'est pas beaucoup à l'échelle cosmique, on a le moyen d'étudier une étoile de près et de perfectionner les modèles de fonctionnement des étoiles, non seulement de ce type d'étoile-là, mais éventuellement en faisant une extension aux autres. Alors ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait remarquable, hein, et ça nous a permis de prendre en considération l'ensemble de l'évolution des connaissances, hein, sur lesquelles on reviendra lors des conférences futures, bien entendu. Alors encore un grand, grand merci, un grand bravo à Philippe et à Marie-Françoise pour ce très, très, très brillant exposé. Bravo. Merci. Philippe, il y a des questions. Alors, il y a des questions. Maintenant, ça ne va pas être à moi de parler, je crois. C'est... Ouais, attends, je vais voir ce que ça donne. Ouais, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de questions qui arrivent. Ah non, ça n'a pas l'air de vouloir venir. Ah, ben c'est un exposé historique, hein, c'est difficile de... Ouais, non, mais ça évoque quand même des points intéressants aussi. Hein. Moi, j'en ai retenu aussi un point intéressant, peut-être pour essayer d'allumer. On va essayer d'allumer les réactions. Ah oui, il faut allumer la mèche. Hein. On va allumer la mèche, hein. On va essayer d'initier réaction de fusion. Non, quand même pas. Hein. Et bon, alors par exemple, tu parlais de la découverte de l'hélium, hein, dans les raies chromosphériques, lors de l'éclipse avec André Janssen et puis son compère dont j'ai oublié le nom. C'est tout de même extraordinaire qu'on ait pu découvrir un élément chimique ailleurs que sur Terre avant de le découvrir sur Terre. Eh oui, eh ben ça c'est... Une des superbes illustrations de la puissance de l'outil spectro. J'y viens toujours parce que c'est mon petit dada, hein, mais c'est extraordinaire. Je crois que ça a été à peu près la même chose pour les gaz rares. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, ils ont été découverts dans l'atmosphère terrestre bien après. Bien après. Bien sûr. Oui, oui, l'hélium, c'est le plus répandu, bien sûr, mais c'est tout à fait ça. Ouais, ouais. Alors, Philippe ? Oui. J'ai une question de Laurent. Gislain qui demande, parce que tu as parlé de la lumière zodiacale, et il demande si tu peux nous en dire un peu plus. Alors, la lumière zodiacale, alors malheureusement, celle-là, je pense qu'on ne peut pas l'observer à Saint-Saul. Bon, par contre, à Priche, on peut la voir. Il faut vraiment être à la campagne, dans un ciel sans lumière, ou à la montagne, c'est encore mieux, et dans le désert. Moi, la plus belle lumière zodiacale que j'ai vue, c'est dans le désert du Ténéré,
à quelques jours avant l'éclipse totale de soleil de 2006. Donc, c'était au Niger, au nord du Niger. Et là, on voit apparaître dans le ciel, donc au voisinage, on va dire, de l'équinoxe de printemps ou au voisinage de l'équinoxe d'automne, on voit apparaître le soir vers l'ouest une lueur qui est une espèce de fuseau qui peut monter jusqu'à 60 degrés de hauteur à peu près. Un fuseau lumineux, faiblement lumineux, et qui apparaît, on va dire, quand le ciel commence à être bien noir, c'est-à-dire quand le soleil est à 18 degrés sous l'horizon. Et le phénomène donc perdure pendant les 3, 4, 5 premières heures de la nuit, et puis ensuite disparaît. Et on remarque le même phénomène au voisinage de l'équinoxe d'automne, mais là sur le matin. Donc on le voit, on va dire, de la fin août, de la deuxième quinzaine d'août jusqu'à l'équinoxe. Et là, c'est l'inverse qui se produit, c'est le même phénomène qui se produit le matin, donc pendant 4-5 heures avant le lever du soleil. Et on voit apparaître un fuseau qui peut monter très très haut aussi dans le ciel. Et ça, c'est en fait l'expression dans le ciel de l'éclairage par le soleil, du résidu poussiéreux, de ce qui n'a pas été accrété pour la formation des planètes intérieures. Justement, Laurent demandait quel était le rapport avec le soleil en même temps. Et ben le rapport avec le soleil, c'est que c'est le soleil qui l'éclaire. En fait, ça fait partie de la couronne solaire, puisque la couronne solaire, c'est l'ensemble du milieu qui se situe autour du soleil. Et donc, comme il y a le milieu donc gazeux qu'on connaît, celle qu'on voit pendant les éclipses totales de soleil, dans laquelle on baigne encore, même si la concentration est beaucoup plus faible. Et il y a aussi tout ce résidu de poussière qu'on appelle la couronne K. Elle fait partie de la couronne solaire, mais ce ne sont pas des particules qui ont été éjectées par le soleil. C'est des particules qui sont résiduelles de la formation du système solaire. Ok, ben j'espère que ça satisfera Laurent. Ben, si Laurent a d'autres précisions à demander, ben je peux lui en fournir, hein, parce que ça, c'est un phénomène. Alors, c'est un phénomène qui est facile à photographier. Hein. Il suffit d'avoir un ciel bien noir et une pause d'une 20-30 secondes, ça suffit. Hein, parce que quand on est dans un ciel bien contrasté, ça devient rapidement bien visible. Hein. Ok. Alors, il y a un autre phénomène qui est un peu similaire. Qui est dû aussi à la couronne K, c'est le Gegenschein. Alors le Gegenschein, ça c'est beaucoup plus difficile à observer. C'est en gros la projection dans le ciel de la partie extrême extérieure, enfin anti-solaire de la couronne K. Et on le voit se projeter dans le ciel à l'exacte position opposée du soleil. Donc à l'instant du minuit vrai. Ça fait une espèce de halo très très faiblement lumineux. Alors là, il faut être à la montagne hein, pour le voir. Et c'est quelque chose qu'on peut aussi voir. On le voit toutes les nuits hein, quand on sait que c'est ça. Et quand on sait le pister. Mais c'est quelque chose qui est très très faible et qui est plus difficile à photographier. Mais qui est issu du même phénomène. Ok. Philippe Serge demande où en est Stonehenge dans l'histoire du culte du soleil. Alors Stonehenge, on ne sait pas trop, parce que bon, il y a des quantités de monuments mégalithiques pour lesquels on a trouvé une explication solaire. Alors effectivement, à Stonehenge, il y a un certain nombre d'alignements qui correspondent à la position des levées couchées du soleil au moment des solstices, d'hiver et d'été, où l'orientation donc est peut-être pas forcément le fait du hasard. Ceci dit, ça a rythmé la fréquence des cérémoniales rituelles. C'est-à-dire que on va dire que Stonehenge, c'est probablement l'ancêtre des cadrans solaires, parce que c'était ces mégalithes qui servaient de base de temps pour organiser les rituels. Donc ils orientaient effectivement en fonction de certains points qui pour eux servaient de repères par rapport aux saisons, par rapport aux cultures, mais bon. Parce qu'il fallait bien diviser le temps. Hein. Et donc, il s'était aperçu à l'époque de Stonehenge, donc l'âge de fer et même bien avant, qu'il y avait une périodicité dans les phénomènes naturels terrestres, hein, dans l'environnement, que ce soit la neige en hiver, la forte chaleur en été et autres. Et par rapport pour quantifier la division du temps dans l'année, et ben, ils avaient édifié ces édifices qui permettaient, de déterminer le moment de l'année par rapport à l'azimut du lever du soleil. Et donc tous ces systèmes
de forme circulaire avec de multiples portes. Stonehenge n'est pas le seul, c'est le mieux conservé, mais ce n'est pas le seul. Et ben, c'était en gros dans l'ancêtre de cadran solaire géant, qui servait donc à pouvoir programmer les rites initiatiques qui correspondaient à certains moments de l'année. Ok. Alors maintenant, il faut se méfier, hein, parce que les archéo-astronomes, ils ont un peu tendance à donner une interprétation astronomique à tout ce qu'ils trouvent. Hein. Bon, Stonehenge, c'est quand même assez avéré, hein, mais bon, si on prend par exemple l'inclinaison des couloirs dans la pyramide de Khéops, ça c'est un peu tiré par les cheveux. Hein. Ensuite, si les monuments rituels donc qu'on trouve dans le Wyoming là, les roues alors avec divisées en 28 parties, alors on dit c'est 28 parties, donc c'est la lune. Bon, ça peut être aussi les 28 jours du cycle menstruel de la femme, hein. Le cycle lunaire, hein. Y a pas grand chose à voir avec la lune. Alors, une autre question de Jean-Paul Anka. Oui. Qui avait dit que le soleil, c'était une chaudière au charbon qui se serait éteinte quand elle aurait épuisé absolument toutes ses ressources fossiles. Donc, qui avait dit ça? Oh, ça, je ne sais pas. On en parlera dans 2 semaines. Oui. Ça fait partie. À ta conférence. Voilà. Ça fait partie, oui, de l'origine, les hypothèses sur l'origine de l'énergie solaire, justement. C'est pour ça que je ne sais pas. Je préfère que ce soit Jean-Marie. Non, mais ce n'est pas le problème. Le nom, je ne m'en souviens plus, mais je sais au moins une chose, c'est qu'étant donné la masse connue du Soleil, à l'époque, c'était au 19e. Hein. C'est au 19e, oui. Charbon, hein, 19e, hein, bien sûr. Puis à Douai, charbon, hein, c'est normal. De 1830 kg à peu près. Hein. On avait calculé que le charbon serait épuisé à peu près en 6000 ans. Ce qui ferait un soleil pas bien vieux quand même. Hein. Donc un petit problème sur la durée de vie. Ça a été vite abandonné, bien sûr, cette hypothèse au profit d'autres que je présenterai dans 2 semaines. Mais la personne qui a émis l'hypothèse, bon, j'en ai pas le souvenir. Bon, je vais chercher, pendant 15 jours, je le dirai. Voilà. Ça tombe bien. Ça marche, Jean-Marie. Voilà. Donc le suspense pendant 15 jours, jusqu'à dans 15 jours. Suspense, voilà. Ensuite, alors Philippe pose la question, comment expliquait-on les différentes hauteurs du soleil suivant les saisons aux premières théories grecques? Ah bah, de toute façon, lors des premières théories grecques, l'affaire était déjà bien entendue, le mécanisme des saisons était déjà bien approché, hein. Donc les différentes hauteurs, elles ont été très rapidement appréciées par l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Hein. Et ça, dès l'époque grecque. Hein. Là-dessus, il n'y a pas eu de... les astronomes n'ont pas tergiversé très longtemps. Hein. À partir du moment où les tenanciers de l'hypothèse Soleil au centre de l'univers, pour eux, la question a été vite réglée. Mm-hmm. Aristarque. Ah oui. Ben, de toute façon, ils avaient repéré la chose. À l'époque, l'étoile polaire n'était pas tout à fait à la place qu'elle est actuellement, évidemment. Mais ils avaient quand même repéré que tout tournait autour d'une direction fixe dans le ciel. Hein. Mm-hmm. Forcément, pour expliquer les saisons, il n'y avait pas d'autre solution. Mm-hmm. Alors là, il y a une réflexion de Paul de Milly qui dit qu'au temps de Herschel, on croyait encore que le Soleil est habité d'êtres vivants que l'on aurait pu observer à travers les taches solaires sans des déchirures dans l'atmosphère solaire. Réflexion. Alors, il y a eu toute une symbolique autour de l'habitabilité des mondes. Hein. D'ailleurs, si on prend des ouvrages comme La pluralité des mondes de Fontenelle, on voit reparaître ce genre de choses, hein. Pas forcément sur le Soleil, mais aussi... par rapport à l'habitabilité des planètes. Hein. Pour ce qui est de l'habitabilité des planètes, si on prend les écrits de Camille Flammarion, hein, entre autres la planète Mars et ses conditions d'habitabilité, ça foisonne de vie partout. Hein. Il n'y a vraiment que sur la Lune où là, ils se sont calmés rapidement parce que, manifestement, on a réussi à démontrer depuis longtemps, au début du 19e, qu'il ne pouvait pas y avoir une atmosphère, au moins une atmosphère permettant la vie autour de la Lune. Mais par rapport au Soleil, oui, c'est pas... Le Soleil a pu avoir... Bon, ça n'a pas été des...
ça n'a pas été très très répandu parce qu'ils avaient quand même tendance à penser que ces astres-là, ils devaient avoir bien chaud quand même. Hein. Déjà, quand le soleil, la température qu'on reçoit du soleil, quand on sort de l'atmosphère, si on s'expose au soleil en dehors de l'atmosphère, on se prend 125 degrés de température côté soleil et on s'en prend moins 200 de l'autre côté. Hein, donc, mais voilà, bon, dès lors qu'on a su que le soleil était quand même quelque chose de très très chaud, ça a calmé les ardeurs des gens qui ont voulu y voir des habitants. Mmh. Ok. D'ailleurs, par rapport à l'habitabilité des planètes, il suffit de lire le Micromégas de Voltaire, hein, donc ça c'est à la moitié du 18e, où là c'est le récit d'un habitant de Saturne qui fait sa petite promenade dans le système solaire avec un habitant de Sirius. Donc là, l'habitabilité des étoiles, l'habitant de Sirius. Sirius, à l'époque, on savait que c'était une étoile, hein. On savait déjà, hein. On ne savait pas que le Soleil c'était une étoile aussi, mais on savait que Sirius c'était une étoile. Et donc là, le roman de philosophie de Voltaire, il met en scène un habitant d'une étoile. Mmh. Après, moi, j'ai une question tout à fait personnelle qui n'a peut-être rien à voir avec la conférence que tu as présentée sur la mythologie du soleil à travers les âges. Mais on n'arrête pas de parler de catastrophes, de fin d'humanité, d'invasion d'extraterrestres, de percussions de comètes, de catastrophes climatiques, etc., etc., l'éloignement de la Lune. Moi, je me demande toujours, c'est une question que je me suis toujours posée, est-ce que le véritable danger ne viendrait pas du Soleil, justement, et d'une éventuelle puissance de vent solaire qui arriverait à percer le bouclier magnétique, à foutre en l'air tous les satellites de communication, à bloquer la planète. Et est-ce que ça ne serait pas, si ce scénario catastrophe pouvait arriver, une forme de, pas de fin de civilisation, il ne faut pas être trop négatif, mais de paralysie pendant quelques années? Ah ben ça c'est sûr. Là le soleil, il suffit d'une saute d'humeur du soleil qui soit un peu plus importante que les autres, et là, les réseaux informatiques et autres, ils sont refaits pour plusieurs années. Ça, c'est évident. Ça met en évidence la grande vulnérabilité des systèmes développés actuellement, où tout repose là-dessus. Donc, à l'époque où il n'y avait pas l'informatique, c'est sûr qu'on était beaucoup plus protégés de ce genre de choses. Donc, c'est un vrai danger. C'est un vrai danger. C'est un vrai danger, et pas seulement que du soleil. Hein. Ça peut venir aussi d'explosions, de sursauts gamma ou de choses comme ça, même venant de très très loin. Même très loin, oui. Il y a justement une anecdote là-dessus. Il y a quelques années, je ne sais plus quand, il y a eu une forte éruption, une sorte de CME, hein, qui a complètement paralysé le système de signalisation des trains au Canada. Il y a eu un accident de train à cause de ça. Merci. On a déjà vu aussi des ruptures de canalisation de pétrole, entre autres, dues à la mise en résonance du matériau par rapport au bombardement électromagnétique qui est recevé. Hein. Donc, ça fait partie des choses qui sont déjà arrivées. Hein. Alors maintenant, on sait que, par exemple, dans l'ISS, il y a un compartiment blindé qui permet aux occupants de l'ISS de se mettre à l'abri au moment du passage de masse de matière dangereuse. Et c'est aussi un énorme problème pour les voyages interplanétaires. Parce que même sans qu'il y ait d'éruption solaire, on a quand même dans le milieu interstellaire une radioactivité naturelle qui fait que si on veut envoyer des humains sur Mars, il va falloir résoudre ce problème-là, sinon... Bon, il y a déjà plus de 600 candidats pour un aller simple. Hein. Oui. Elon Musk, il a plein de candidats. Ouais. Voilà. Et on sait que si on arrive à poser un humain à la surface de la planète Mars, qui a une atmosphère mais qui n'a pas de champ magnétique, la durée de survie de l'humain en question, elle est estimée à 66 jours. Effectivement. Si tu vois le film Seul sur Mars, c'est pas tout à fait réel. Ouais. Moi, Philippe, j'aurais... Enfin, c'est pas une question, c'est plutôt aussi un peu une réflexion. Ça concerne un petit peu les premières observations, bien avant Jésus-Christ, des taches solaires. Oui. Donc, au niveau du monde chinois, hein, en fait, on se pose des questions. Comment ont-ils pu, en fonction de ce qui nous est parvenu, hein, des gravures, hein, des dessins,
observé ces fameuses tâches à l'époque. Donc, possible que ça soit fait au travers de conditions très, très, comment dire, très brumeuses du ciel. Hein, donc ça, c'est une des hypothèses, mais aussi de conditions au travers de tempêtes de sable qui auraient venu charger. Mais il y a aussi une autre hypothèse qui dirait que des instruments rudimentaires auraient été plus ou moins mis au point à cette époque-là, utilisant des pierres comme le jade et le mica pour justement filtrer. Ces instruments-là, effectivement, ils ont existé et ils fonctionnaient sur le principe du sténopé. Donc, tu prends un tube de bambou, tu sais que le bambou, c'est fait de segments. Ouais. Un segment de bambou, et éventuellement tu gardes un segment, tu perces un petit trou dedans et tu mets une plaque de jade ou de verre. Ils maîtrisaient le verre, les Chinois, hein, ou même de verre dépoli, et là tu peux former une image du soleil. Et d'ailleurs, on peut très bien faire aussi ça avec du stédopé de base. Hein. Si tu prends par exemple dans les vieilles maisons qui ont des interstices entre les briques, il suffit d'un interstice. Donc, entre une boiserie et un mur en briques. Tu as souvent des interstices parce que le ciment est disparu. Il suffit de projeter que le soleil passe là-dedans et se projette à l'arrière avec un recul de 3-4 mètres. Et tu as sur le mur en face une image du soleil qui sera circulaire et qui n'aura pas la forme de l'interstice. Et sur laquelle tu peux voir les taches solaires les plus importantes. Même certaines taches solaires qui ne sont pas visibles à l'œil nu, on peut les détecter comme ça. Oui, je ne sais pas ce que c'est. C'est parce qu'il doit y avoir un micro ouvert quelque part. Un retour. Et en fait, ce qu'ont fait les Chinois, c'est ça. Ils l'ont fait sur le principe du sténopé avant l'heure, ça ne s'appelait pas le sténopé. Les mêmes Chinois, ils avaient une technique bien à eux pour observer les étoiles faibles. Ça, ce sont les astronomes de Tartan de Nankin qui m'ont donné le tuyau quand j'étais allé voir en 1990. Et en fait, ils observaient les étoiles dans un tuyau de bambou. Ce qui fait qu'ils appréciaient les étoiles les plus faibles en soustrayant à leur vision toute la lumière parasite qu'il pouvait y avoir autour. Et quand on observe dans un tube une étoile donnée, enfin un endroit du ciel donné, on voit beaucoup plus d'étoiles quand le reste est noir pour la vue que quand reste est éclairé par l'éclairage. Ah ouais. Bon, puis ensuite, il y a eu la technique d'observation sur les surfaces. Hein, sur un ciel un peu brumeux, il suffit d'observer ça à la surface de l'eau, par exemple, avec une eau bien calme. Et c'est un filtre naturel qui permet d'observer même beaucoup plus facilement, parce que quand on observe sur la surface d'un seau d'eau, on a la tête penchée vers le bas et on voit des taches beaucoup plus petites que quand on observe la tête en l'air. En fait, ils étaient bien imaginatifs et puis attentifs à ce qui se passait autour d'eux, au niveau de l'atmosphère et tout ça. En fait, les conditions, quoi, voilà. Ils saisissaient ces conditions-là, quoi. Voilà. Quand on voit les sphères armillaires équatoriales à l'observatoire de Pékin en Nankin, on sait qui a inventé la monture équatoriale. Hein. Mmh. Et ces sphères-là, elles datent du XIVe siècle. Hein. Bon, même si la monture équatoriale allemande a été inventée par un Allemand qui s'appelait Fraunhofer, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais le principe des montures équatoriales dites à berceau et autres, tout ça, c'est une invention chinoise. Hein. Une autre question, Philippe. Quand a-t-on découvert de Philippe Filou, comme c'est marqué sur le chat, quand a-t-on découvert les ondes, les vagues à la surface du Soleil? Quelles étaient les premières théories, à moins qu'on les ait cherchées après l'explication physique des tâches? Alors, les vagues, les vagues à la surface du Soleil, c'était à peu près à l'époque où on a découvert le magnétisme et on a réussi à faire des cartes magnétiques du Soleil. Au moyen d'instruments qu'on appelle les magnétomètres, et ça date du début du XXe. Donc c'est à partir du moment où on a pu quantifier l'activité magnétique du Soleil et l'exprimer donc sous une forme de codification imagée, donc à partir du début du XXe. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. J'ai une question par téléphone. Oui.
Une fois, ça arrive. Ah bon ? De Brigitte et Michel. Donc, à quand ? À quand le prochain maximum d'activité solaire ? Alors, à quand ? Là, l'activité est en train de repartir. Ouais. On peut estimer que deux ans et demi, on devrait être pas loin du maximum. En fait, la reprise est toujours plus rapide que la descente. Donc là, on a une reprise depuis à peu près un an. Même si c'est pas forcément évident, on voit quand même qu'il y a des tâches qui repartent en latitude. Ils paraissent, ouais. Et donc, on l'a vu d'ailleurs entre l'année dernière et cette année sur les aurores boréales à Biscoe. On a eu quand même un festival d'aurores cette année qu'on n'avait pas eu. Enfin, on en a eu l'année dernière, hein, mais elles étaient beaucoup moins spectaculaires. Et donc, on attend impatiemment l'année prochaine pour qu'elle soit encore plus spectaculaire. Donc là, actuellement, on est sur la phase ascendante. Et la phase ascendante, elle peut s'activer rapidement. Il faut à peu près 2 ans. Une fois qu'on a réamorcé, c'est 2 ans, 2 ans et demi à peu près. Pour aller au maximum. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment, Philippe. Bon. Ben, c'était déjà bien. Ah oui, parce que sur des sujets historiques, c'est pas évident de trouver des questions. Mm-hmm. Philippe, il y a un Philippe Filou là, qui dit « Pour les sténopées maison, les trous de fil de store plissés fonctionnent très bien. » Est-ce que peux nous dire ce que sont les sténopées, s'il te plaît ? Alors, un sténopée, c'est tout simplement un système qui permet de pouvoir, moyennant un petit trou, on considère que le trou doit faire 1 mm de diamètre par mètre de recul. Et donc, il suffit de prendre un tube à diplôme, un tube en carton, de percer un trou d'1 mm de diamètre sur l'avant, au centre, et de mettre un bout de papier calque ou un verre dépoli de l'autre côté, voilà. Un mètre derrière, et au bout derrière, on verra un soleil, une image du soleil qui fera 10 mm de diamètre à peu près. Mm-hmm. Ça permet de pouvoir faire de l'observation du soleil très très simple. C'est vraiment accessible à tous. Et alors, le sténopée, c'est ce qu'à la Renaissance, les artistes italiens appelaient la camera oscura. C'est-à-dire qu'ils faisaient pareil pour reprendre le visage. C'est la chambre noire, c'est-à-dire que là, ils perçaient un trou, pareil, un petit trou dans une boîte noire. Ils mettaient un verre dépoli de l'autre côté et il y avait le paysage qui se mettait, qui se reflétait sur le verre dépoli, enfin, qui s'affichait sur le verre dépoli. Et à partir de là, ben, il dessinait les lignes, etc., etc. Et c'est comme ça qu'il maîtrisait la perspective à l'époque de la Renaissance. Il y a beaucoup de peintres qui ont peint comme ça. D'ailleurs, si je peux amener une petite remarque au sujet du sténopé, ça fait partie des petits bricolages que je proposais à mes élèves instits lorsque j'étais encore en activité, avec une boîte de conserve, un bout de papier calque et un trou. Au fond de la boîte, eh bien, les gamins pouvaient fabriquer quelque chose qui leur permettait de voir le soleil. Ah, alors moi, je vais vous relater une petite expérience qui est dérivée du sténopée, mais ce n'est pas tout à fait le sténopée. Il s'est trouvé, c'était l'observation de la première éclipse partielle de soleil. C'était le 29 avril 1976, j'étais élève en seconde au lycée Wallon à Valenciennes. Et l'éclipse débutait vers 11h du matin, il faisait un temps magnifique. Et puis comme c'était une éclipse partielle qu'on n'en avait pas vue depuis pas mal de temps, j'étais passé par les règles de l'art, c'est-à-dire j'avais demandé une autorisation au prof de latin qui devait faire cours de 11h à midi de déplacer son heure de cours pour qu'on puisse observer l'éclipse. Alors, c'était un vieux de la vieille qui voulait rien savoir, évidemment. Et en plus de ça, le cours, c'était dans une salle qui était située au deuxième étage du lycée Wallon où les carreaux n'avaient pas été nettoyés depuis l'après-hier. Donc c'était compliqué. J'avais fait une autre demande en bonne et due forme auprès du chef de classe pour qu'il fasse nettoyer les carreaux. Évidemment, pas de résultat. Bonheur, il y avait une salle de chimie juste en dessous. Et il y avait une récréation juste avant. Donc vous imaginez la suite, comment obtenir des carreaux propres pour observer une éclipse pendant le cours et avoir des morceaux de verre pour ensuite projeter les images. Et bien c'était de faire sauter les carreaux. Donc, j'étais en dessous, faire le petit mélange qui va bien, et ça a marché un peu plus que prévu d'ailleurs, parce que bon, il n'y a pas eu qu'une seule salle qui en a fait les frais, mais plusieurs. Et puis, on s'est retrouvé, bon, il faisait beau, donc à l'époque, hein, la sécurité, tout ça, on s'en foutait un peu. Donc, on a quand même décidé, les hautes autorités du Bahut ont quand même décidé que les cours se maintiendraient dans les salles qui n'avaient plus de carreaux. Et donc là, c'était le bonheur, parce qu'on se retrouvait avec des quantités de morceaux de verre. Et c'était des salles qui avaient à peu près 4 mètres de hauteur sous plafond.
Eh bien, il suffisait de prendre un morceau de verre d'une forme aléatoire, d'environ 2 cm sur 2 ou 3, peu importe, et d'intercepter un faisceau de lumière du soleil, de refléter la lumière du soleil, et on pouvait projeter au plafond l'image de l'éclipse partielle. Alors, inutile de dire que pendant le cours, tout le monde avait la tête en l'air. Sauf le prof qui s'est aperçu de rien. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire aussi un scénopé par réflexion. Donc, ça, c'était un travail pratique sur le scénopé par réflexion. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a une pièce, quelle que soit sa forme, qu'on utilise pour faire un recul de projection qui est donc de plus de 10 mm par mètre, c'est-à-dire que là on projetait à 4 mètres, donc on pouvait avoir un bout de verre qui faisait 40 mm dans une dimension, 30 dans l'autre. Ça marche. À partir du moment où c'est plus petit que l'objet qu'on projette. Et bien sûr, maintenant à l'heure des téléphones portables, ce qu'on fait là pendant les éclipses de soleil, on fait des sténopées avec des formes bizarres. Hein. D'ailleurs, dans le diaporama d'attente, il y en a une que j'avais présentée, c'était celle de l'éclipse de Tunisie en 2005. Là, on avait fait un sténopée marqué SAF, comme Société Astronomique de France, et on l'a projeté par terre pendant l'éclipse annulaire, et donc on a eu tout un tas d'anneaux qui représentaient les lettres S, A et F. Et ça, c'est hyper facile à faire, c'est-à-dire que la personne qui veut observer une éclipse partielle de soleil et qui n'a aucun instrument, il suffit qu'il y ait un bouton et un téléphone pour faire des images du soleil. Et en faire profiter tout le monde, parce que c'est complètement sans danger. Et tu as justement Laurent, qui, en ce qui concerne le sténopé, qui dit que notre œil fonctionne sur le principe du sténopé et qu'il inverse les images, enfin l'image de l'objet qui est inversé, qui est observé, Enfin, c'est surtout, si on retire le cristallin, si on retire le cristallin, effectivement, mais sauf qu'il y a le cristallin et une lentille fonctionne exactement de la même façon. En fait, disons que quand la pupille est très fortement serrée, on obtient quasiment un stéréo. L'œil, c'est quand même un système réfracteur. Oui. Donc, toute chambre photographique fonctionne de la même façon. De toute façon, le trajet des rayons dans une lentille, forcément, il renverse les images. Ok. Alors Serge, mais c'était pour revenir sur le regain d'activité solaire qui disait que, comme il fait de la radio, oui. Qu'on lui a constaté un regain d'activité solaire dans la retransmission justement radio HF. Ah oui, bah oui, ça c'est un très bon moyen aussi. Voilà, donc il voulait, il indiquait dans le chat. Après Léon qui demande, les Incas et les Aztèques ont-ils apporté des éléments intéressants dans la connaissance du soleil? Pas vraiment. Non, pas vraiment, ils étaient très empiriques. Hein. Donc, ils avaient quand même. La culture inca, c'est une culture qui était. C'était un peu comme les cultures donc, européennes avant l'apparition des grands penseurs de l'époque grecque. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'était beaucoup d'empirisme. Mais c'était même de l'empirisme de base, parce qu'il y a eu aussi chez nous une période empirique, enfin un peu plus dans le Moyen-Orient, c'est-à-dire que quand on a déterminé la périodicité des éclipses, on n'avait pas du tout compris le mécanisme des éclipses, mais on s'était quand même posé la question de savoir comment la mémoire populaire pouvait avoir retenu qu'à tel jour il y avait eu une éclipse et que 18 ans, 10 ou 11 jours après, on pouvait s'attendre à avoir la même. Donc les civilisations amérindiennes n'avaient pas poussé donc, la réflexion jusque-là, c'est-à-dire qu'ils étaient très, très terre-à-terre. Et malheureusement, dans ces civilisations-là, on n'a pas beaucoup d'apport de culture vraiment scientifique. Par contre, de la culture pratique, oui. Ils connaissaient la roue. Hein. Mais par rapport à la connaissance scientifique, ils avaient leur cartographie céleste. Hein. Ils avaient quand même repéré qu'il y avait des saisons dans le ciel, hein, donc forcément plus ou moins des saisons terrestres. Mais ils ne se sont pas posé la question de savoir quelle était la distance Terre-Soleil, quel était le diamètre du Soleil, quelle était la masse du Soleil, etc. etc. Ils n'ont pas été jusque-là. Oui, c'était purement mythique. Un recueil des accidents, c'est-à-dire. Ah bah bien sûr,
pas perdu la vue, mais il y a un certain nombre d'astronomes qui ont des images d'éclipses partielles de soleil au fond des yeux en permanence. Hein. Ah oui, ça c'est... Kepler, je crois, a perdu un œil. Hein. Oui, mais lui, je ne sais pas s'il l'a perdu en observant. Je crois qu'il l'a perdu en transmettant. Hein. Oui, peut-être bien, oui. Par contre, je sais qu'au 19e, il y a un Belge qui s'appelait Plateau et qui étudiait la persistance rétinienne. Oui. Et il a voulu fixer le soleil pendant un bon moment, et évidemment, il a perdu l'œil. Ah, forcément, oui. Enfin... il a voulu voir s'il y avait de la persistance, enfin, bon, mais on a eu beaucoup, oui. On ne perd pas un œil quand on observe le soleil à l'œil nu. Hein. On se fait une brûlure de la rétine, donc on se fait un photome. Oui, enfin, il s'est brûlé la rétine, donc il a été foutu. Voilà, quoi. C'est ça. Le problème, c'est que la brûlure rétinienne, elle se fait dans la zone centrale, la zone fovéale de la rétine, donc celle qui est la plus importante en vision diurne. Parce qu'on ne va pas observer le soleil en vision décalée. Quand on se fait un coup de soleil sur la rétine latérale, à la limite, c'est moins grave. Mais là, et d'autant plus que la zone fovéale, elle n'est pas grande. Hein. Elle fait moins de 2 mm de diamètre. Hein. Là, c'est foutu. Ouais. Est-ce que les dégâts sont immédiats ou alors si on s'en aperçoit dans le temps? Alors non, immédiatement, tu vois une persistance de l'image, mais quand tu t'aperçois que l'image ne disparaît pas au bout de, on va dire, 24-48 heures, parce que ça peut aller jusque-là, c'est qu'a priori, il y a une brûlure irréversible. D'accord. Ceci dit, ça existe aussi avec des coups de laser un peu malheureux. Hein. Ouais. C'est déjà arrivé. Ah ben ça, les coups de laser, il faut faire très attention, hein, surtout les lasers verts. Hein. Pour revenir, à ce que avait demandé JP, Galilée n'avait pas eu lui des soucis aussi suite à ses observations, en vieillissant, oui. Ah oui, si, il a eu des soucis. Parce que Galilée, faut quand même savoir que sur la soixantaine de lunettes qu'il a construites et vendues, il n'y en avait que 3 ou 4 qui fonctionnaient à peu près. C'était les siennes. Mais comme tous, hein, il a des fois observé le soleil. Il pouvait observer le soleil avec des filtres oculaires, hein, parce que le rapport F sur D de ses lunettes, il était tellement gigantesque qu'il n'y avait aucun risque. Il n'y avait pas besoin de mettre des filtres avant. Hein. Mais bon, il y a le coup classique. Hein, tu prends un filtre, il est poussiéreux, tu le passes, tu le laves à l'eau froide, tu le remets, il claque. Hein. Bon. Tout à l'heure, tu as Léon qui a posé une question, enfin que Valérie a posée. Sur les Incas et les Aztèques, on demandait s'ils apportaient des éléments intéressants dans la connaissance du soleil. Et tu as Serge qui demande juste derrière si c'était pendant la version latine sur la guerre des Gaules. Comment ça? Ben justement, il faudrait qu'il donne un peu plus de précision. Serge, si tu nous entends. Ou alors je vais lui faire un petit texto. Par contre, Philippe, tout à l'heure, tu as dit aussi, à un moment de la conférence, hein, parce que j'écoutais un peu, puis en même temps, avec JP, je t'occupais autre chose, tu as parlé donc que le premier qui a observé les taches solaires avec un instrument, c'était pas Galilée, et tu as parlé de quelqu'un d'autre bien avant. Pardon ? Thomas Harriot. Oui, c'était à quelle époque ? C'était un an avant, quelques mois avant d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Parce que j'ai un truc, parce qu'il y avait quelques temps, j'avais fait des recherches un peu là-dessus, et j'avais trouvé, je ne sais pas si c'est à vérifier, hein, je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'un astronome arabe, en fait, hein, ayant le nom de Abu Ali al-Morakushi, donc entre 1170 et 1241, il aurait, lui, effectivement, déjà observé avec des taches étranges sur le soleil au travers d'un instrument. Ah bah ça, voilà. Dans les archives arabes, il y en a. Hein. Oui, voilà, donc... Il n'y en a pas à foison comme dans les archives chinoises, mais ils étaient quand même religieusement moins bridés que nous. Hein. Donc ce genre... Parce que, bon, pourquoi est-ce que chez nous, ce n'était pas publié? C'est parce que, par définition, le soleil ne pouvait pas avoir d'irrégularité, parce que comme c'était une création divine, elle était forcément parfaite. C'est pour la même raison que quand tu vois dans la représentation picturale des phénomènes du soleil, de la lune, avant l'époque de Galilée, je crois qu'il n'y a qu'une seule peinture qui représente les taches sur la lune, par exemple. Même le dessin de Léonard de Vinci représentant la lumière sans la Lune, celui qui est dans la collection de Bill Gates maintenant, il représente la lumière cendrée,
mais ne représente absolument rien d'autre. C'est-à-dire que la Lune est représentée comme une bille avec une phase parfaite, sans aspérité, sans rien, et aucun détail sur la partie obscure de la Lune, alors qu'à l'œil nu, on les voit. Donc là, il y a eu toute une interférence entre l'Inquisition, enfin, les méfaits de l'Inquisition et la représentation scientifique, ou la représentation artistique d'ailleurs, qui a fait que du côté européen et européen de l'Ouest en particulier, il y a eu quand même énormément d'observations qui ont été passées sous la carpette, de peur des représailles. D'accord. Ah oui, oui. Alors chez les Arabes, c'est moins vrai, mais ça l'est quand même. Oui, voilà, c'est... Enfin bon, je voulais juste l'apporter, quoi, juste venir vers toi pour demander si vraiment c'était vrai, quoi, en fait. Hein, parce que après, il y a tellement de choses. Ouais, bon, si on commence à fouiller les archives astronomiques arabes, des choses. Hein. D'accord. Ouais. Pendant l'ère des cadrans solaires, par exemple, les Arabes, ils ont été vraiment à la pointe. Hein. D'abord parce que c'est un pays où les pays Moyen-Orient et même d'Afrique du Nord, c'est des pays où il y a beaucoup de soleil. Ils ont apprivoisé le soleil. Moi, je me souviens que c'était à Timgad, je crois, en Algérie. Sur le forum de Timgad, il y avait une méridienne. Hein. Enfin, un axe méridien. Ce n'était pas la méridienne, l'équation du temps, évidemment. On ne connaissait pas ça à l'époque. Mais il y avait un axe méridien qui permettait de fixer l'intent du passage au midi, parce qu'il y avait probablement sur un bâtiment donc un trou du style sténopé, d'ailleurs, qui projetait une image du soleil sur la ligne. D'accord. Voilà. Vas-y, Marie-Françoise. Non, c'est parce que Laurent Gisin, justement, en ce qui concerne le sténopé, vous avez remarqué que notre œil fonctionne sur le même principe. Tu l'avais déjà dit, Marie-Françoise. Ah, d'accord, ok, je comprends. D'accord. Allons. Je veux dire que j'en sais strictement rien, parce que c'est pas la chose qui m'occupe à ce moment-là. Bon, j'ai fait une série de dessins d'éclipses pendant le cours. Et puis j'ai observé le reste de l'éclipse. J'avais pris ma lunette avec moi, donc je savais que après il y avait la pause, donc j'avais pris ma lunette avec moi. Donc le reste de l'éclipse, j'ai observé dans la cour du bahut et j'ai même fait des photos. Justement, j'avais fait une projection du soleil et j'avais photographié l'écran par derrière. Ça, c'était 29 avril 76. Ah, je me souviens très bien. Moi, je l'avais observé avec des copains sur le campus. C'était de Villeneuve-d'Ascq, ouais, effectivement. Ouais. J'ai fait ça avec ma lunette de 50 mm Pierre Bourges. Donc l'objectif était de Pierre Bourges et que j'avais bricolé pour le reste. Ah ouais. C'est tout pour lâcher la lunette complète. Tu avais trouvé un tube. Ouais, j'ai trouvé un tube, ouais. Moi, j'avais fait pareil avec la lunette de 80. J'avais mis l'objectif dans un tube d'alu que j'avais. Oh, puis de toute façon, oui, chez un métallurgiste. Du point de vue collimation, hein, ça, il y a une très très grande tolérance. Ouais, ouais. Juste un petit problème. Alors, j'ai l'impression que je ne sais pas si les auditeurs peuvent continuer à nous suivre, parce que je vois qu'a priori, on aurait un souci de retransmission. Si JP est au courant, peut-être. Moi, j'ai l'image de YouTube et apparemment, je suis dessus. Oui, oui. Ouais. Moi, tout est animé. Ça va, d'accord. Non, parce que moi... Mais le son, je ne l'ai pas mis pour qu'il n'y ait pas de retour. Attends, je peux le mettre 2 secondes pour voir s'il y a un retour. Oui, moi aussi, j'ai... Retransmission. Voilà, c'est bon. Maintenant, ça passe. Ah ben, moi, je reviens encore à toutes ces fameuses observations... qui aurait eu lieu bien avant 1600. Il y a aussi un écrit qui, au Moyen-Âge, qui relate des grands, très grands incendies de forêt en Russie.
et qui, donc, suite à ça, avec les couches de fumée et tout ça, que cette époque-là, il y aurait eu des observations, justement, des taches solaires, comme ça que c'était... Ouais, ouais. Voilà, il y a des écrits que, justement, à ce moment-là, ils ont donc dénombré des belles taches sur le soleil. Voilà, ah donc, c'est juste... Des... Ah ouais. Si on fait une recherche ciblée là-dessus, on va en trouver, hein. Et je te dis, ce serait plus rentable d'aller chercher ça en Chine parce que bon, la pression, on va dire, la pression religieuse en Chine était beaucoup moins importante sur le scientifique. C'est d'ailleurs pour ça que la Chine a fait des progrès fulgurants beaucoup plus vite que nous. D'accord. Le Moyen-Âge, la période du Moyen-Âge en Chine, même si ça ne s'appelait pas le Moyen-Âge, a été beaucoup plus prolifique et beaucoup plus riche que le Moyen-Âge chez nous. Ça a été quand même, au moins dans ce domaine-là, une période de régression. Hein. Oui. Bon, il y a pas que dans ce domaine-là, ça a été une période de régression, mais enfin, quand on décrit le Moyen-Âge comme étant une période complètement triste, c'était pas le cas du tout. Hein. Non, pas du tout. Il y a eu des grands progrès dans les théories mécaniques au Moyen-Âge. Ah oui. En particulier, Simon Stevin a proposé des modèles de mécanique qui commencent à ressembler au modèle dynamique de Newton. Oui. Simon Stevin, qui a sa statue sur une place de Bruges. Mmh. Enfin, bon, tout ce qui est mécanique, les Grecs avaient déjà fait beaucoup de choses. Hein. Oui, oui, bien sûr. Un ange passe. Un ange passe, oui. Plus rien. Oh. Non, il n'y a plus de questions là. Pour l'instant, il n'y a plus rien qui arrive. Il n'y a plus rien qui arrive. Non, il y a une vague, tu vois, il y a une vague, et puis là, ouais, tout à fait. Ça arrive, hein, quelquefois. Ben, c'est ça, c'est. Ben, tu n'as plus que 28 visionnages. Enfin, tu n'as plus, c'est déjà pas mal. Il y a 28 visionnages en cours. On était quand même monté à 48. Hein. Ah ouais, non, c'est chouette. Donc, hein, c'était c'est bien, extrêmement hein. honorable. Ouais. C'est notre temps. Bon. Fait-on. Bien, ben, je ne sais pas. oui, on ne va pas anticiper sur la prochaine, hein, c'est pas la peine. Donc, c'est pas la peine. Il faudrait peut-être ne pas oublier de l'annoncer. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà. Ça a été fait dans la présentation. Oui, mais de faire un rappel. Faire un rappel. De rappel ne voilà. Pas utile. Ah oui, bien sûr. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont rentrés peut-être pas tout à fait. Ah oui, bien sûr. Oui, voilà. C'est ça. Mais il faut dire en fait que le jeudi, le 18 mars, en fait, le deuxième exposé qui aura lieu fait partie d'une saga de vidéoconférences sur 5 exposés sur le soleil. Donc ce soir, c'est Philippe Morel. Président de l'Astroclub de France qui a présenté un petit peu le soleil de façon mythologique à travers les âges. Courant mars, le second volet va proposer une étude qui sera axée sur notre astre, en tant que naine jaune. Alors, de l'origine de son énergie qui est produite, sa structure interne et externe, son spectre, mais également son évolution, c'est-à-dire sa naissance, sa vie, sa mort. Et c'est une étude qui sera animée par notre collègue astronome Jean-Marie Marc, qui est astronome amateur au club d'astronomie de l'AMJC de Douai. Donc, on vous donne tous rendez-vous le jeudi 18 mars, mais il y aura un rappel, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous présenterai l'aspect physique du Soleil et sur un certain nombre de points, où je reprendrai peut-être un peu ce que Philippe a présenté, en particulier au niveau des tâches et autres, mais en accent tout cela sur l'aspect des considérations physiques, en essayant de les expliquer de façon la plus simple possible. Ça va être intéressant également. Ben, j'espère. Fiat Lux. C'était lumineux, mais je n'ai pas osé le dire. C'est juste, hein, y a les remerciements aussi qu'on peut faire passer. Hein. Ouais.
Je suis sur YouTube. Je reviens sur Skype. Ben alors, on va demander à une des dames de clore la séance. Voilà. J'en ai plein, mais bon, j'ai peur que ça fasse effet de somnifère. Mais j'en ai. Eh bien, merci beaucoup à tout le monde de votre attention et puis à la prochaine fois. Bonne soirée. Il y a José qui vient de mettre quelque chose là. Je me souviens d'une tache solaire visible à l'œil nu, date donc de 2003, octobre 2003 environ, à confirmer. Oui, alors la dernière vraiment hyper spectaculaire, c'était celle de 2014. C'est un groupe qui, bah d'ailleurs, qui a correspondu à peu près à l'inauguration de l'observatoire, donc c'était en octobre 2014. Mmh. En fait, moi, je viens de voir ça parce que mon ordi vient. Pendant tout un moment, il était figé, donc le chat défilait plus. Et là, maintenant, c'est reparti. Alors. J'ai le même problème que toi, Jean-Guy. Ouais. Donc c'est pour ça. Mais que... j'ai dû rafraîchir à chaque fois l'image, la diffusion Skype, en fait. Ah ouais. En relançant la page web. Alors là, ça marchait. Ah bon. Ouais. Mais parfois, ça fige. Ouais. Ouais. Mais peut-être parce qu'on est déjà sur Skype aussi. Hein, donc, En fait, j'utilise un autre ordi à côté. Hein, ah après. Oui, d'accord. Ah, ouais.